Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis dans le nord de la France et je suis avec Georges. Georges, bonjour. Bonjour Daniel. Ravi de t'interviewer, de te rencontrer. Et moi aussi, c'est toujours un plaisir de te voir. Ben oui, alors on va te présenter un petit peu aux gens et te dire, mais qui est cette énergumène près de Conversano? On ne le connaît pas. Bon, déjà, ce qu'on sait, c'est que c'est un goy, apparemment. Ah oui, on est tous. Prouve-le. Il y a pas. Je suis là. Déjà, mange un bout de saucisson, les gens comprendront que tu es, voilà, tu es peut-être, fais partie de la tribu des Français. C'est déjà un premier point. Alors bon, évidemment, comme les gens ne te connaissent pas, je vais te présenter un petit peu. Si je fais erreur dans la présentation, n'hésite pas à m'interrompre. Et si vous entendez des petits piétinements, eh bien, c'est le petit chien de la famille qui est très mignon et qui s'appelle Faustine. D'ailleurs, très joli prénom pour un chien. Alors, Georges, tu es un dissident. Excuse-moi du mot. Anti-impérialiste, a priori, si on en juge les drapeaux qu'on voit à l'entrée de chez toi. Est-ce que tu es déjà d'accord avec cette définition? Anti-impérialiste, pas vraiment, non, Pas je sais pas, vraiment, non? non. Alors, définis-toi, puisque je viens de me rater en beauté. Ben, en fait, j'aime bien mon pays et j'aime bien qu'ils se défendent des envahisseurs. Alors, Disons bon, nationaliste, alors, finalement. ben, oui, parce que en fait, je redécouvre ma langue après avoir passé 25 ans à Et l'étranger. justement, j'allais aborder ça parce que donc tu as vécu 25 ans en Angleterre, c'est ça? Alors, comment est-ce qu'on vit là-bas? Chine, hein, j'ai même pas trinqué dans ma. Comment est-ce qu'on vit là-bas? Oui. Ben, c'est fantasy uberalles tous les jours. Ouais. Voilà. C'est la cité, c'est l'Angleterre, c'est des gens à la James Bond, un verre dans la main et un flingue dans l'autre et Ouais. disant à la tienne. Je te flingue, C'est-à-dire, c'est mais. le Oh, flegme, ouais, le la flingue et prononciation le pas bonne. flegme, Ouais, ouais, oui, ouais, en ouais. même temps. Ah, ils sont cool, oui. Et comment dire, j'ai oublié de te demander hier, t'étais dans quel coin d'Angleterre? T'étais à Londres? Ah oui, j'étais au cœur de la cité, pratique, enfin de la cité, de la city, puisque j'étais à Hampstead, donc Hampstead, Gold is Green, tout ça, c'est la tribu nomade qui travaille dans la cité. Et mes clients étaient des traders, Des traders. entre autres. Ouais. Mais j'ai eu aussi des clients, j'ai quand même eu un très beau client qui était Monsieur George Martin, qui possédait le studio Air Studio, Ouais. qui était le truc des pop stars. C'était un cadeau de Pioneer et de Chrysalis, la marque de disques, qui lui avait offert cette église déconsacrée Ouais. où c'était le là, ouais. Qu'est-ce qui explique que tu es resté aussi longtemps là-bas? C'était pour des raisons professionnelles ou Oh sentimentales? Je sais non, pas. c'était non, c'était une raison de vie, tout simplement. J'ai rencontré ce petit dragon juif assez lent en 1979. Doucement, doucement. Dragon Voilà. juif, tu parles de ton ex-femme en fait. Ce n'est pas ma femme. D'accord, ton Nous ne sommes pas ex-compagne. mariés, Ouais, mais ouais, ouais, ouais. nous avons eu deux enfants. Ce fut un quart de siècle Mais merveilleux. pourquoi tu dis dragon? Parce que c'était un dragon. En fait, comme ma mère était très gentille, ils avaient besoin de quelqu'un de très acerbe et très décisif. Et donc, j'avais remarqué qu'elle avait des yeux terribles. Et en fait, T'es tombé amoureux, quoi. comme on dit, on tombe amoureux. Ouais, j'aime bien l'expression tomber, moi. Tomber, ouais. Ouais, non, mais ce fut vraiment une belle rencontre. Et puis, en fait, j'ai découvert. En fait, que j'étais entouré de juifs, sinon de protestants. Oui, Mais alors, ça, c'était tout à fait. on va aborder plus tard le judaïsme, mais c'est vrai qu'effectivement, dans le cadre de ton travail, tu étais entouré de juifs Ah, pendant un mais certain temps à Londres. sans le savoir, oui. Alors moi, ce qui m'intéresse dans ton parcours biographique, c'est, bon, à un moment donné, tu es revenu en France. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui avait changé en France par rapport à avant? Qu'est-ce que tu as senti du pays quand tu as remis le pied ici? Mais en fait, j'étais parti à la fin des années 70, des années de plomb, et vraiment, j'en pouvais plus. En fait, j'ai échappé au post-stress 68, parce qu'il était temps. J'avais, comment déjà fréquenté les autonomes, en fait, toute cette nébuleuse, le Rouillant, là, tout ça, et j'avais compris que ces gens allaient mourir, ou qu'ils voulaient faire mourir des gens, et c'était pas du tout mon optique. Donc je D'accord. suis parti
Et en fait, j'ai oublié la France pendant 25 ans. Mmh. Enfin, j'entendais des nouvelles, bien sûr, mais quand je suis revenu, en fait, c'était le post-Irak. Oui. Et là, il y a. Bon, alors moi, j'étais au cœur de l'affaire à Londres parce que je travaillais aussi pour des gens du. J'ai travaillé une fois au Parlement pour la femme de Tony Blair. Et c'était là le grand écart entre déclarer une guerre. Comment on allait déclarer la guerre? Et j'ai vu toute la saloperie qu'ils ont fait. Oui, Et c'est là, vrai je que me suis dit. ça a été Il y a eu un déclic là. ton accès un peu à la politique, là, ça t'a révolté un peu, Ah ben, c'était complètement révoltant. Ouais. C'était dégueulasse. Et puis je les voyais devant moi en train de raconter des conneries. Et il y avait des gens qui étaient très bien payés pour raconter des conneries. Et surtout, à un moment, ces gens se réveillaient avec la gueule tellement ils racontaient de conneries, ils étaient vraiment à cran. Ah oui. Et tu le voyais, ça. C'est-à-dire, en fait, tu vois les deux. Fréquenter les riches, c'est cet avantage, c'est qu'on voit le côté public et puis le côté privé. Ouais. Et là, tu dis, oh, là, ça sent mauvais. Ouais. Là, ils sont bien payés, hein, mais bon. Alors, ce qu'on peut dire aux gens, quand même, c'est un petit rappel historique. Il y a eu cette guerre en Irak sous le prétexte des armes de destruction Ah massive. On a dit oui, en bien fait que sûr. Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Et pendant des années, nous disions dans le milieu dissident nationaliste que c'était une connerie. Et officiellement, là, ce n'est plus un complot, hein, c'est officiellement, nous avions raison. Les États-Unis ont admis qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, y compris Colin Powell, qui à l'époque s'était rendu responsable, vous savez, cette histoire de fiole dont Dieudonné avait fait un spectacle, un sketch. Eh bien, il a dit, certes, il n'y avait rien pendant cette fiole, J'ai été trompé. mais je n'étais pas au courant. Je pensais Voilà. vraiment qu'il Non, y avait quelque ils chose. m'ont dit, ils m'ont trompé. Voilà, Donc on ne sait plus qui raconte quoi. ouais. Ouais. Et Non. aujourd'hui, si vous n'allez pas croiser Colin Powell, mais il ne veut même plus en parler. C'est un peu Non, comme... c'était un mauvais souvenir. Voilà. C'est pas grave, ça a causé des millions de morts. Ouais. Voilà. D'ailleurs, comme disait Albright, c'était nécessaire. On regrette rien ce qui Ouais, s'est bien passé sûr. en Et Irak. aujourd'hui, on se prend les conséquences, notamment. Ouais, tranquille. Alors, en Angleterre, les gens étaient plutôt pour cette intervention, je suppose. Mais en fait, la masse, comme son nom l'indique, en fait, ne pense rien. Oui. Et en fait, ils s'en foutent. En fait, j'avais une discussion avec une nana au moment où, avec les Maldives, Ouais. parce qu'il y avait Dassault, nos avions étaient en Argentine, et ils avaient réussi à détruire un navire à l'époque. Ouais. Et là, elle m'avait dit, ah, mais c'est grave, parce que Dassault avait dit, ah, oh, ils marchent bien nos petites exocètes, hein, vous voyez, ils ont descendu un navire anglais. Ouais. Et là, en fait, c'est là qu'ils commencent à se réveiller, parce que quand c'est près de la maison, ils se disent, ah oui, quand même, ouais, non, ça fait des morts, hein, les trucs, hein. Mais Ouais. autrement, les autres, on s'en fout. Ouais, ils Ils s'en peuvent foutent. crever complètement, c'est loin de chez nous. Mais quand Ouais. c'est les nôtres, là, ils commencent à pleurer. Et justement, Ouais. Mais surtout que, on va dire, on s'en ficherait presque si ça n'avait pas eu un impact sur l'Europe à la suite. C'est-à-dire qu'avec l'islamisation de tous ces pays dont les dirigeants ont été changés, Ouais. voilà, ça a été le terreau de Daesh, en fait, d'une certaine Ah manière. bah de toute façon oui, on les Ouais. cultivait pratiquement, parce qu'ils étaient en Afghanistan déjà et tout ça. Ouais. Bon, c'était le. D'ailleurs, j'ai récolté un chat à cause de l'Afghanistan, parce que Semble pas avoir le rapport, a priori. le pilote était parti en vacances là-bas, donc il a laissé son chat et il me l'a donné. Ok. Ouais, c'est bon. Ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Alors, pour continuer la logique comparative entre la France et l'Angleterre, bon, comme tu étais à Londres, tu as quand même vu l'Angleterre elle-même se transformer. Il y a commencé à avoir pas mal Ah, d'immigrés. non, mais attends, Ouais. il y a eu, en fait, il y a eu un énorme écroulement, puisque je suis arrivé au début des années Thatcher. Ouais. Alors, les années Thatcher, ça a été la fameuse grève des mineurs, où le pays était paralysé, où ça cognait avec les flics, et en fait, mais ils étaient foutus, les mineurs, exactement comme ici, d'ailleurs, dans le bassin minier, on les a laminés. Et l'époque, c'était une époque de grande transition, parce que quand je suis arrivé en 1980 à Londres, les boutiques étaient fermées à 5 heures. Oui. 20 ans plus tard, elles étaient ouvertes 24 heures sur 24, pratiquement. Oui. Donc il y a eu une cassure. Il y a des Anglais, d'ailleurs, qui ne reconnaissent plus leur pays. Mais soyons clairs, par exemple, 24 heures sur 24, c'est les épiceries arabes et Ah non, non, pakistanaises, non, 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 non? c'était les supermarchés qui ouvraient Ah, ils 7 se jours sont sur dit. 7, D'accord. alors qu'avant, ils y fermaient à 5 heures. Oui. Et donc, il y a eu un champ. En fait, elle a
décongeler Ah, d'accord, là, c'est. la situation, c'est-à-dire que en fait les mineurs, ben, on les payait plus, et puis bref, foutez. L'économie libérale de Thatcher a métamorphosé Ah, le complètement. quotidien et la C'est-à-dire en culture. fait, je me rappelle d'un truc, une jeune fille ou une femme qui fumait dans la rue Oui. en 1980, c'était l'horreur. Ah, les gens détestaient ça. Non, c'était il la considérait, c'était mal vu. Ah oui? Ça ne se faisait pas. Et 25 ans plus tard, on les voyait vomir dans les ruisseaux pour les happy hour, les bars, tu sais, qui ouvrent entre 6 et 7 heures, ils sont déjà gelés. Bon, c'est plus la peine d'ouvrir plus tard. Mais il y a eu un changement radical de comportement. Et au-delà de cet aspect politique, bon, moi je suis allé une fois à Londres, j'ai pu voir que c'était très communautarisé, c'est-à-dire qu'il y Ah a bah oui. les quartiers pakistanais, les Il y a quartiers carrément des. Tu noirs. rentres dans des villes près de Heathrow, tu dis, ah tiens, tiens, on est aux Indes. Carrément. Et là, tu dis, ah ouais, là, c'est. Eux, le communautarisme, ils assument. Oui, alors ce que je peux dire à mon public, je suis allé une fois à Londres et vous savez que ma peur légendaire de l'avion, donc j'y suis allé en bus en passant par l'Eurostar. Ouais. Et en fait, avant Londres, j'ai vu des villages entiers sans blanc. Mais quand je dis sans, c'est pas une façon de parler. Je parle de zéro. J'ai vu Ah oui, mais carrément. des villes, on va dire, près de Londres, en périphérie, avec zéro blanc. Mais C'était carrément. étonnant. Ouais, tout à fait. Oui, c'est assumé, c'est des ghettos. Enfin, des ghettos. Oui, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de mélange. Hein. Ah bah tiens, elle est revenue Bon. la mouche folle, c'est pas Ouais. grave. On a essayé de tuer une mouche folle avant l'émission, mais elle est revenue. On Ouais. verra, on essaiera de la tuer plus tard. Enfin, oui, non, mais tout à fait. Eux, ils assument le communautarisme. Ouais. Et ça ne se mélange pas. Et Enfin, alors. nous, on ne l'assume pas, mais en fait, aujourd'hui, les Blancs sont partis. Ouais. Ils ont été dégoûtés. Et en Terrible. France, quelle différence tu as vue en termes de mentalité Après, je sais pas, t'es pas allé, tu es venu emménager où, là où tu es maintenant ou ailleurs? Non, 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 en fait, moi, je me suis réfugié dans mon pays parce que j'en en pouvais plus de. Parce que j'étais dans un milieu juif. Sans m'en rendre compte. Je ne pensais pas que c'était des gens spéciaux. Mais au bout d'un moment, il y a eu l'histoire de la circoncision, Attends, donc mais on ça, a. on va en parler plus tard, tu Ouais, réponds pas à ma ouais. question là. Je te parle, quand tu es revenu en France, est-ce que tu as senti chez les Français, quelle est la différence de comportement majeure que tu as vu entre les Français et les Anglais? Peut-être un peu plus Mais politisé, non? enfin, je savais une chose parce qu'on venait ici. Ouais. On avait acheté une maison de toute façon, donc on était ici dans le Pas-de-Calais. Et en fait, c'était la campagne. Et puis, on n'est plus en ville, bien Ouais. qu'à Londres, en fait, on ne sente pas la ville parce qu'on était dans un très beau quartier où il y a des parcs. Tu sens pas la ville comme à Paris. C'est vaste, il y a de l'espace, il y a des jardins. Mais en fait, ce que tu sens, c'est l'abîme entre l'Angleterre et la France, c'est le degré de fantaisie déjà qui régnait partout. Où C'est-à-dire de fantaisie, de l'alcool, en la Angleterre, tu parles de la drogue. France, Oui, en non, Angleterre. et eux, ils rient de tout. Ici, maintenant, on est arrivé avec Hanouna. Mais là-bas, c'est 24 heures sur 24. Ils Ils ont rient beaucoup de de tout. dérision en fait, les Anglais. Dérision, dérision. Mais en même temps, il y a un charme. C'est-à-dire, en fait, le charme anglais, ça existe parce que tout est cadré, tout est propre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport à la politique. Est-ce que tu dirais que les Français sont plus politisés généralement, que les Anglais sont Mais plus je m'en foutiste, les Anglais? en fait, en Angleterre, on ne parle pas de politique. Ah oui. Entre amis, à C'est table. non. Non, non, parce qu'en fait, c'est toute leur façade. Dès qu'on attaque, et je l'ai encore vérifié récemment ici avec des Anglais, dès qu'on attaque un sujet social, politique, non, Ça intéresse personne. on sent que ça grippe. Par contre, il paraît qu'ils sont très vifs quand on critique leur reine, la reine Ah d'Angleterre. Ils aiment pas bah, ça. mais en fait, pendant que j'étais là-bas, il y a eu la tragédie de Diana. Exact, ouais. C'est-à-dire, en fait, elle, c'était elle la. C'était en fait une petite vicieuse, tout simplement, qui aimait le Un cul. peu Et de elle. respect pour la princesse, Ouais, mais enfin. en fait, elle représentait cette jeunesse montante. Non mais attends. Excuse-moi, là, ça va être la coupure, la cassure people, Ouais. mais est-ce que c'est pas son mari, le prince Charles, qui l'a trompé en premier quand même? Ah, mais non, mais en fait, Qu'est-ce qui s'est accroché en un enregistré c'était là? un ménage à trois.
Oui, avec Camila. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la télé, elle l'a dit. Oui. Il y avait trop de monde dans notre mariage. Elle l'a dit. Et Ouais. en De fait, façon cette détournée. élimination, et alors en plus, ce paradoxe qu'elle était avec ce Dodi Al-Fayed, dont le père était le propriétaire d'Harrods, c'est-à-dire le marchand de légumes Ouais. de la reine du royaume, Ouais. qui n'avait même pas son passeport anglais. On Ouais. lui a toujours refusé, parce que en fait, c'était des rivalités dans des clans. Et la voilà qui se retrouve avec ce type, et elle meurt avec lui dans enfin Ouais. l'histoire du Ritz et tout ça, mais Ah c'est oui, pour les plus complètement, jeunes, c'est taper Lady con. Di Ouais. 97, Et en aller fait, voir ça c'était une pareil. jeune femme moderne. Enfin, elle était devenue moderne et elle voulait. En fait, elle commençait à dérailler parce qu'elle voulait être plus importante qu'on lui permettait. Ouais. Donc, en fait, l'élimination était un peu bon, logique, quoi. Ah d'accord, toi tu penses au meurtre à En fait, 100%. Ok. tout y faire penser gentiment. Ouais. Je veux dire, il y avait vraiment un paradoxe dans cette faille. Ouais. On est de retour, on a fait une brève coupure, on avait besoin de se débarrasser d'une mouche qui nous empêchait de faire cette émission. Alors nous parlions de l'Angleterre, et oui, alors sur la question politique, malgré tout, quel est ton avis sur le fait que les Anglais ont voté le Brexit? Bah, en fait, c'est le retour de bâton, c'est-à-dire qu'en fait, mes enfants qui habitent à Londres aujourd'hui Oui. étaient absolument, enfin tous les gens des villes d'ailleurs, étaient absolument désolés de cette chose, mais c'était dans les cartes, c'est-à-dire que c'est effectivement l'immigration qui a déterminé Ah oui? oui. C'est-à-dire que les Anglais se sont dit si on sort de l'Europe, il y aura moins d'immigrés, c'est ça? Bah, non, mais il faut arrêter, ouais, il y a quelque chose. Mais ils savent pas quoi, en fait, parce qu'en fait, on voit là. Le Brexit, ils ont dit, oh tiens, on va peut-être mettre 5 ans, on sortira. Oui. On ne Ils sait pas. l'ont voté, mais la procédure. Ouais, mais après, on va noyer le poisson, en fait. Mais en fait, la vraie raison, c'était bien ça. C'est-à-dire qu'il y en avait marre, quoi. Finalement, un peu comme le référendum en 2005 en France. On a voté pour ne. Oui, Voilà. Et en 2009, ils nous ont mis la quenelle, comme dirait l'autre. oui, Ouais. tout à fait. Ouais. Alors, ta particularité, t'es quelqu'un d'assez étonnant parce que tu assumes tes idées et tu es militant. Et en fait, t'as eu un peu ce courage ou cette inconscience, je ne sais pas trop, d'utiliser ta propre maison comme un panneau d'affichage libre politique. Oui, mais alors Les images vont apparaître à l'écran. mais en fait j'avais commencé en Angleterre juste avant mon départ. Ok. En fait, ma femme m'avait presque accusé d'être fou, gentiment, mais quand même. Mais j'avais écrit à l'époque sur le mur qui était de notre, pas exactement de notre propriété, puisque c'était un squat qui était devenu une coopérative d'habitation. Et j'avais écrit une recette d'un fameux comme une recette de cuisine qui disait en gros, prenez trois grandes religions, Ouais. vous les faites revenir sur un champ de pétrole, temps de cuisson, 2000 ans, plus ou moins. D'accord. Voilà. Alors ça a été le premier. En fait, j'en pouvais plus, parce que j'entendais le bruit, toute la propagande anglaise, toujours superbe, tout va bien. Et puis je voyais la réalité, et là je commençais à péter les plombs. C'est-à-dire, et ça va faire l'objet de la deuxième partie, tu as eu l'impression que les religions, les trois religions du livre étaient un peu une sorte d'opiacé qui endormait le peuple et qui le faisait tout accepter en fait, que ce soit le christianisme, le judaïsme, l'islam. Ouais, mais en fait, c'est au même moment que j'ai découvert Diodo en Angleterre, puisque je commençais à voir le net, mais je m'intéressais pas du tout au net. Et Ouais. puis là, j'ai vu des sketchs, je me dis, tiens, il y a quand même des relations, des liens évidents entre ce qui se passe ici, ce qu'on nous raconte et ce qui se passe en réalité. Et donc, c'était clair, quoi. Et donc, je commençais à vouloir m'exprimer, tout simplement, parce que je voyais bien que, de toute façon, d'abord, tout le monde s'en fout. Mais en même temps, il fallait que ça sorte. Alors, j'ai commencé à écrire sur les murs. Et puis, quand je suis rentré ici, j'avais mes murs à moi. Parce qu'il faut quand même avoir un Oui. mur. Et c'est pas du Facebook, c'est du vrai, hein, c'est du De par solide. les images, c'est Voilà. étonnant. Ben oui. Donc, là, c'était naturel. Je ne me posais même pas la question des retombées. C'est-à-dire, en fait, des retours Oui, du soi-disant public qui, en fait, s'étonne d'une expression directe. En fait, la liberté de ton de Dieudonné t'a inspiré, en quelque sorte.
C'est vrai que c'était, il est arrivé à une époque où on ne riait que sur des choses conventionnelles, et il a un peu explosé tous les tabous, quoi. Bah, c'est-à-dire, en fait, c'était pour moi, c'était le commencement de la fin, pour moi, de l'Angleterre. C'est-à-dire que je sentais que je donnais des cours de français à des gens très bien, et puis à un moment, ils me disent, mais pourquoi tu t'intéresses aux juifs? Bah, je lui dis, parce que, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont très intéressants. Et alors, Bonne on réponse. m'a dit, mais alors, t'es antisémite? Je lui dis, non, je comprends pas trop la question, mais peut-être. Ouais. Et puis là, je sentais qu'autour de moi, en fait, tout le monde était en train de me dire que je racontais des conneries. Et là, en fait, la dépression, en fait, j'ai vu une psycho machin là, Ouais, une psychothérapeute. une psychothérapeute. Et alors, elle n'aurait pas dû me dire ça, mais elle l'a dit. Elle a dit, en Elle l'a dit pour fait. ton bien, enfin. Bah, a priori, Soi-disant, soi-disant. non, si, mais enfin, Ouais. ils sont supposés de dire quelque chose pour ton bien. Mais en fait, ça dépassait le cadre professionnel et a dit, surtout, méfiez-vous des femmes. Alors j'ai dit, ah oui, ah bah oui, parce que en fait, c'est très proche. C'est Ah. beaucoup plus proche qu'on le croit. En fait, c'est tellement proche de vos proches que c'est sûrement. Là, il y a quelque chose. Et j'ai commencé, en fait, elle me minait, cette bonne femme, et avec ses gosses, enfin les Ouais. miens, mais les siens. D'accord. Devenaient les siens plutôt que les miens, parce Ah. qu'ils se groupent autour de la Bon, mère, enfin, comme t'avais elle. pas besoin d'une psychothérapeute pour savoir que ta femme était juive, tu le savais en Non, l'épousant. mais c'était pas le problème qu'elle était juive, c'est qu'elle était femme, tout simplement, et juive. Mais en fait, elle a refusé. Nos enfants ne sont pas juifs. C'est-à-dire qu'elle, c'est bien une mère juive, mais on a refusé ce viol du huitième jour. Ça, on l'a refusé parce que Donc on s'est dit que c'était pas bien. tes enfants ne sont pas circoncis et Ah non. ils ont pas été élevés dans la culture Non. judaïque? Non, non, mais en fait, leur culture à eux, et Ouais. c'est là qu'il y a eu une fracture, c'est que eux, ils sont nés en Angleterre, ils sont anglais, ils ont été éduqués en Angleterre, et en fait, ils absorbent tout ça parce que c'est leur pays. Et leur langue maternelle, c'est l'anglais. Oui, d'accord. C'est pour ça que contrairement à toi, ils y sont restés. Ben, c'est évident. Mais il y a une cassure, c'est-à-dire que quand on venait en France, moi je retrouvais d'abord la campagne, parce que l'Angleterre c'est extrêmement densément Peuplé, ouais. peuplé, Ouais. et en fait la campagne, surtout le sud-est de l'Angleterre, en fait ce qu'on appelle, bah, c'est là où tout est de la richesse, c'est la cité, Londres. C'est complètement classé, je veux dire. Ils construisent pas de route parce que c'est trop cher. Le terrain est trop cher. D'accord. Et tout simplement, c'est surpeuplé, c'est surclassé. C'est comme un épisode de Barnaby, en fait. D'accord. C'est ça, tu vois. En gros, Ouais. tu te dis, c'est comme un décor de théâtre. Et il y avait une excellente, d'ailleurs, bon, ça c'est une digression, mais Vas-y, il je y t'en avait prie. une excellente série de feuilletons qui s'appelait Le Prisonnier. Où on voit ce Ah mec, oui, je connais, bien sûr, hein. et c'est un truc culte. Ouais. On voit le mec, en fait, c'était un ex des agents secrets, des services secrets. Il est là, et en fait, dès qu'il sort des limites, il y a des ballons, il peut pas s'échapper. Et en fait, c'est ça. En fait, l'Angleterre, c'est une gigantesque prison dorée, et qui est dirigée par la cité. Et tout le reste, c'est fantaisie et compagnie. Et puis, il y a la reine qui c'est la cerise sur les gâteaux. Et puis, voilà, terminé. Je veux Ouais. dire, c'est. D'un point de vue spirituel, enfin spirituel ou politique, c'est nul. Ouais. Vraiment, c'est comme aller en Californie. Je veux dire, le marxisme, c'est une autre planète. Ah, Ça n'existe pas. Ouais. bonne comparaison. Ouais. Les Anglais sont-ils des gens croyants ou plus maintenant? Je parle des Anglais Ben, de souche, hein. c'est-à-dire, en fait, il y a eu cette cassure de Thatcher. Ouais. Et ici, il y a un Anglais d'ailleurs qui refuse un type de. Bon, il est un peu plus âgé que moi. Il refuse de parler anglais parce qu'il ne reconnaît plus son pays. Donc, il y a une cassure. Et en fait, le miracle du Brexit, ça a été ces gens. Ils n'ont pas venu venir. Ils ont voté contre. Bah oui. Mais tout d'un coup, et alors les autres disaient, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? On était Mais d'accord, on n'a rien vu. ouais. Ouais. Mais en fait, c'est là. C'est qu'ils en ont vu que trop. Ils ont vu leur pays détruit. Oui.
et sombrer dans l'alcool et la merde. Parce que moi j'ai vu Attends, des. les Anglais ont toujours été un peu alcooliques. C'est un peu culturel chez Oui, eux, non? mais en fait, là, c'est les femmes qui ont été touchées. Ah, d'accord. Et là, comme je te disais, cette histoire de fumer dans la rue, c'était pas bon. Mais là, dégueuler dans le caniveau, hein, c'est encore pire. C'est-à-dire, en fait, tu vois la dégénérescence. C'est-à-dire, ils ne se tiennent plus. J'ai vu des Anglais, effectivement, tu vois, sortir complètement bourrés, mais ils essayent de tenir droit, ils essayent de tenir la posture, tu vois, c'est Le flegme, désespéré, le flingue. Mais là, non, ils se lâchent, je veux dire, ça vomit, ouais. c'est horrible. Et là, en 25 ans, tu vois l'écart. Ouais. Bon, en fait, mes enfants, eux, ils ont. Parce que je me suis occupé de mes enfants, parce que je travaillais à la maison, en fait, on travaillait en freelance, comme on dit. Donc t'avais du temps pour toi, t'étais pas constamment Et dehors. j'étais toujours à la maison. Et quand je les ai vus naître, je les ai vus sortir du méa originel. Et tout ça, c'est parce qu'on avait le temps. Parce que le temps, c'est un grand luxe, c'est l'espace. Et en fait, je me suis très bien occupé de mes enfants. C'est pour ça que je leur ai dit, maintenant, vous pouvez mourir jusqu'à temps que vous grandissiez. Parce que pour moi, vous êtes mort. C'est-à-dire que, en fait, pour le moment, vous êtes encore avec votre mère. Et à un moment, il va falloir la quitter. Mais vous ne me faites pas chier avec ça. Pour moi, j'ai fait ce que j'ai fait. Je suis pas coupable. J'ai tout fait pour vous. C'est bon. Puisqu'on parle de ta famille, est-ce qu'ils te considèrent comme un excentrique ou depuis que tu as Ah! pris ces positions politiques? Tu sais bien, Daniel, que, en fait, l'excentricité anglaise, c'est un mode de vie. C'est-à-dire en public. Mais derrière, par contre, ils sont très hypocrites. Ce qui se passe entre la façade, ils ont des façades immenses. Ils racontent des Non, mais ton histoires. côté militantisme un peu Ah visible, oui, mais la maison, là, c'est ça, là. comment ils prennent ça? Ah ben, de toute façon, ils l'ont. Là-bas, déjà, quand je me suis exprimé sur le mur en Angleterre, ils l'ont. Enfin, leur mère l'a très mal prise. Elle m'a dit, ouais, est-ce que c'est un exemple de se faire emmener par des policiers pour avoir fait ça? Ah, parce qu'en Angleterre, tu as du souci avec la police. Oui, mais parce qu'en fait, ce que j'écrivais sur le mur, c'était pas grave. Par contre, que je salisse le mur, On est ça, d'accord. c'était beaucoup plus Ce n'est grave. pas Et en fait, très anglais, ça. j'ai été dénoncé pour cette C'est raison. pas le contenu, c'est le fait d'avoir Non, gâché le paysage urbain. c'était dégueulasse. En fait, ça ne se fait pas. Et c'était plein de sens, bourré de sens, mais ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est que j'avais détruit le paysage. Incroyable. Ah oui, c'est l'apparence qui compte. D'ailleurs, il y a une série qui s'appelle Keeping Up Appearances, c'est-à-dire garder les apparences. Ça, c'est capital pour l'anglais. Ils arrivent, moi qui suis un fan de tennis, ils arrivent à garder ça même dans, par exemple, dans le tournoi de Wimbledon. C'est le seul tournoi de tennis où les joueurs doivent s'habiller en blanc. Ils sont obligés de s'habiller en blanc, même si les marques Nike, Adidas leur disent mettez-vous du rouge. Non, non, c'est le respect pour la reine, pour les conventions, c'est assez amusant. Ah, c'est capital pour eux de garder les apparences, oui. Oui, bah, d'ailleurs, mon deuxième fils est allé dans un collège privé, le collège de Highgate. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont le droit de porter des jupes. Là, ça y est, ils sont partis aussi là-dedans. Ah oui. Mais jusque-là, c'est en fait des collèges, tu vois, qui ont accumulé des fortunes colossales au cours des années, parce que c'est du privé. Bon, on parle de quoi 15 000 euros par an, tu vois, avec des subventions. Mais en fait, c'était une expérience de. En fait, ce que m'a permis l'Angleterre, ce que ne permet pas la France, que ce dont parle de Lavier, c'est l'esprit de caste imperméable. Elle ne permet pas entre les deux. Les connexions Il entre n'y a les. pas. Non. C'est. Tandis que là-bas, c'est possible. C'est possible. En fait, je me suis senti un peu comme Lucchini, qui fréquentait qui travaillait chez les coiffeurs du Ah 16e. C'est comme ça qu'il a connu les codes de la bourgeoisie et Il a c'est compris que toute une éducation. la richesse, c'est avant tout du réseau Oh là, oui. Et en fait, tout le problème de la gauche, c'est qu'elle entretient le ressentiment, mais qu'elle ne parle jamais de richesse. Elle parle de sous, parle d'argent, Pompidou, des sous, Pompidou. Non, ça c'est pour encourager le ressentiment et la merde. Oui, la richesse, ça peut être aussi avoir assez de relations pour obtenir des choses gratuitement, par exemple. Bah, de C'est une toute forme de façon, richesse, ça. mais en fait, on voit bien que Macron n'a pas d'argent. Mais tout est Officiellement, gratuit ouais. pour lui. Exactement. Voilà. Il est en fait, comme dit Attali,
Il vit dans les. Il Oui, est oui. téléporté. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, c'était un pur produit des médias. Il est Ouais. téléporté. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'entendais ce mot rallye, tu sais, là. Ah! J'ai fait un rallye là-bas parce que je Qu'est-ce que fréquentais un c'est? peu des demi-bourgeois. C'est ça? Les rallyes? Et alors c'est marrant parce qu'ils m'en parlaient, mais ils ne m'inséraient pas dans leur cercle. Non! Et donc je comprenais qu'en fait, c'est quoi un rallye? Bah, c'est un endroit où les gens qui sont Se de bonne rencontrent. famille, etc., se rencontrent et Voilà. s'aident les uns les autres Voilà. et créent un Tout ça, réseau en tout fait. Et simplement. c'est ce qui fait que, voilà, Et ce qui Planopsy. fait que toi t'es exclu. Et à un moment, en fait, moi je suis vaguement rentré dans un réseau, c'était, mais grâce à la moto, et je fréquentais des gens qui n'étaient pas de ma couche. Parce Ok. que moi je parle de couche, hein, je parle pas de classe. La Donc alors classe. c'était des plus des prolétaires Non, ou... non, c'était des. Moi j'ai mes parents étaient ouvriers, ma mère femme de ménage, mon père contremaître de rectification, et on ne fréquentait que. Enfin. Le peu de fréquentation qu'on avait d'ailleurs, on n'a jamais su ce que c'était que les riches, en Ouais, fait. ouais. On est complètement isolé de ça. Mais moi, j'ai rencontré dans la Selle Saint-Cloud, là, j'avais un ami qui était horticulteur, qui fournissait d'ailleurs les géraniums pour Langaros. Et c'était marrant parce que c'est un autre monde, et ils habitent à côté de chez Nino Ferrer Ouais. et tout ça, et tu te rends compte là que c'est un autre monde. Oui. Mais tu ne sais, et justement, cette histoire de rallye, si tu veux, c'est. Tu dis, ah oui, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, non mais c'est incroyable. Ah ben oui, c'est J'imagine. l'inconnu! C'est l'inconnu! Ouais. Et en fait, il y a une extrême ségrégation en France. Parce que l'habit fait le moine. Tandis qu'en Angleterre, c'est l'opposé. Que les gens ont intégré d'ailleurs, c'est-à-dire vraiment quand quelqu'un est bien habillé, s'exprime bien, on va dire ah bah il appartient Mais tu à le telle ou telle vois, sociale, donc tu. on a le droit, il a le droit. Mais tu le vois ici, à Montreuil. Il Ouais. y a l'autre con là-haut, je l'aurais pas dit, Ouais. l'autre au bout de la rue qui me dit, vous êtes indigne. Indigne de quoi? Mais parce que, en fait, ça, de Oui, m'exposer, oui. Oui. c'est-à-dire, ça se fait pas. Bah, il est vrai que c'est, il y a une insolence chez toi, c'est vrai que ça ne se fait pas, il faut quand même le reconnaître. Non, Il y a ce c'est pas côté une un peu. insolence, en fait, ça vient naturellement, c'est-à-dire, en fait, c'est le. En fait, tu t'exprimes tout simplement parce que on va revenir peut-être avec Oui, le je bouquin de mange là. Oui, Voyer oui, qui oui. m'avait marqué en 76 quand j'étais ouvrier et que j'étais naturellement gauchiste, mais avec du mal parce que je commençais déjà à avoir de sérieux Mais doutes. t'étais syndiqué, donc t'étais dans Oui, le tout l'appareil, mais quoi. en fait, j'avais vu qu'il y avait des grosses failles. En fait, ils m'ont dit un jour quand je revenais de l'Allemagne de l'Est, mais tu sais, Georges. Nous, ce qu'on attend, c'est de prendre la place du patron. Je leur dis, ah merde, si vous ne m'avez pas dit ça plus tôt. Ouais. C'était un quiproquo. Ouais, mais toi, tu t'es pourquoi dedans alors? Pour améliorer tes conditions de vie de travailleur? Oui, mais en fait, non. Parce que j'avais jamais cru au travail. En fait, je voyais entre tout ce qu'on avait déjà raconté à l'école en disant, ouais, vous serez technicien, vous aurez une blouse blanche, vous commanderez des gens. T'entends ça, tu te dis. Ouais. Non, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Mais en fait, c'était tout le discours des profs qui eux-mêmes dirigeaient tous ces élèves et toutes ces conneries. Et en fait, tu arrives dans l'industrie et là, tu te rends compte que entre le rêve et en fait, tout ce qu'ils nous ont raconté puis la réalité, c'était qu'en fait, eh ben, on travaillait dans l'électronique, on travaillait pour l'armée. Et puis qu'un jour, j'ai vu mon produit sur le dos d'un CRS. Je me dis, tiens, tiens, tiens. Se retrouver face à son travail. C'est intéressant. C'est intéressant. On travaille contre soi. C'est-à-dire qu'on s'exécute. Et puis, en fait, tu comprends vaguement. Alors, tu essayes bien de. Bon, alors, j'étais à l'université de Vincennes en même temps, à Paris 8, où là, c'était le zoo. Parce que là, c'était la postmodernité. Il y avait du Foucault, du Deleuze, toute cette merde-là. Ouais, c'était. Là, et eux, le zoo de Vincennes, en fait, Paris 8, Vincennes, ça avait été fait par Edgar Faure. Pour faire accéder des non-bacheliers au système universitaire. Alors là, il y avait plein d'anardes. Il y avait Daniel Devers, le copain de Foucault, le petit ami de Foucault, qui était venu dîner à la maison. Faut qu'il mange du sida, je crois. Bah oui, bah c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et parce qu'en fait, lui, il est allé en Chine et il dit, oh là-bas, les homos, ils sont mal vus. Bah, je lui dis, Ouais. bah oui, t'as raison, mec, faut pas y aller pour ça. Hein. Ouais. Mais en fait, c'était un melting pot. Donc j'étais à la fois à la boîte, à l'université, et puis je commençais à militer. C'était l'époque des autonomes. Et C'est quoi? là, Je dis oui, mais je sais pas ce que c'est en fait. quoi, Les les autonomes. autonomes? Non? Ah, les autonomes, c'était les casseurs, en fait, ce qu'on appelait. D'accord.
C'est-à-dire en fin de manif ou en début de manif, on avait appris à faire des propres cocktails Molotov, tu vois. Ah oui. Et c'était d'une simplicité enfantine. Et puis les nôtres étaient propres, ils étaient enveloppés dans des bouteilles de Bordeaux, parce que tu vois, c'est la fillette, c'est facile à Ouais. lancer, c'est un bon manche. Mais tu apprends des choses comme ça. Puis à un moment, bah, tu te dis, la boîte, il y en a marre, l'université, il y en a marre, il faut se tirer. Ouais. Et puis là, les autonomes, c'était les rouillants et toutes ces conneries d'Action Directe, ils disent, ça pue la mort. Ils vont nous. Non, ces mecs-là, c'est pas la vie, hein. Donc il faut partir. Et puis, donc, j'ai rencontré ce mec de Neuilly qui jouait avec Sarko dans le bac à sable, qui disait, il était déjà comme ça. Puis lui, il faisait de la voile et il dit, bon, bah écoute, tu me rejoins là-haut. Moi, je suis parti sur un bateau de Tahiti, on passera par Ceylan vers le mois de décembre 79. Et puis, je l'ai rejoint là-bas. Et c'est là que tu as rencontré ta compagne C'est de là qu'il y l'époque. a eu, oui, en fait, c'est là que la vie a commencé. C'est-à-dire, en fait, la France était très loin, je ne parlais pas anglais, je me rendais compte que c'était, qu'est-ce que c'était que l'étranger. Donc, Oui. je me dis, ah, putain, il parle pas français Ça fait une ici. sacrée toi, t'es un froid, ça fait froid. Ouais, c'est pas la porte à côté. Ouais. Puis c'était magnifique, et puis c'était pauvre, mais en fait, j'en ai rien à foutre de la pauvreté. En fait, ça Ouais, mais fonctionnait. c'était pauvre, mais toi, tu l'étais pas. Par rapport à eux. Bah, de toute façon, au change, bien sûr que Bah non. oui. Ça, Oui, il n'y c'était a pas facile de. photo. Ouais. Mais en fait, j'étais là, je me suis retrouvé là-bas, complètement paumé. Parce que là, il n'y a plus de référence. J'attends l'autre. Alors, l'autre, en plus, il a coulé. Et j'ai reçu une lettre en poste restante. Il y avait 3 semaines de retard. Ils avaient coulé à Christmas Island, au nord de l'Australie. Et bon, le bateau était sauvé, mais ils allaient être en retard. Donc, moi, je me retrouve là, je dis, bon, alors, qu'est-ce que je fous ici, au juste, à part attendre ce bateau? Et puis là, la vie a commencé. En fait, je suis parti, j'ai rencontré c'était un Allemand qui parlait français. Bref, je suis allé me planquer sur une plage à la mode des hippies de ce temps-là, parce que c'est la fin Oui. des hippies, hein. Est-ce que c'était l'époque où il y avait les chemins de Katmandou là? Non. Et après, je suis parti à Katmandou. Mais Non. c'était la fin. Ça m'étonne pas. Moi non plus. T'as un côté un peu gaucho quand même. Bah, Non, non, mais culturellement, t'as un peu. T'étais gaucho j'étais quoi. forcément gaucho à la Ouais. boîte, Mais tu peux même, je être que trouve que gaucho. pour faire un bond en avant, parce que ce qui m'intéresse, c'est le maintenant et la politique. Dans ta démarche, par exemple, de faire de l'affichage libre sur ta maison, il y a un côté un peu gaucho. Agis propre. Voilà, exact, ouais. Mais oui, la publicité. Mais en fait, avec Voyer, j'ai découvert aussi que la publicité est notre essence. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Faut pas échapper, quoi. les autres abrutis disaient au début, t'es le verbe, mais non, mais il est toujours là, le verbe. Et puis après, il y a l'adverbe. Ouais. C'est-à-dire que tu t'exprimes. Parce que sinon, ça sert à rien. Tu restes dans ton truc, là, tu restes devant le net, et puis. Alors, t'as fait un peu la une de journaux locaux, Ah hein, qui bah se oui, sont je. te Ils se sont demander qui t'étais. précipités Mais sur alors, moi, ouais. je dois dire quand même qu'il y a une forme de bienveillance envers toi dans les articles. Les mecs disent, non, mais en fait, il n'est pas vraiment raciste, Ah c'est comme si, ça, c'est bah la préférence non, pour celui-là. ils disent taxe xénophobe. Oui, c'est vrai. Mais dans le cœur de l'article, je sais pas. En fait, c'est tellement excentrique et différent comme démarche. On voit qu'ils ont du mal à l'analyser. Ils ne comprennent Ah pas bah ils trop. ont du mal à me cerner. Ouais, Non, et puis en exactement. plus ils ont été emmerdés parce qu'à un moment dans un interrogatoire j'ai quand même passé 2 gardes à Alors, vue. justement, je vais te demander, est-ce que tu as eu des soucis judiciaires? Bah, en fait, ils ont essayé, d'ailleurs, ils l'évoquent dans les journaux, Ouais. il faut trouver quelque chose, il y a bien une faille, il y a bien. Parce que c'est un malin, Ouais. c'est un malin, ils disent, tu vois. Et alors, en fait, à un moment, la première. Enfin, là, j'étais pas en garde à vue cette fois-là, mais il m'avait dit, ah, on a cru que vous étiez juif. Êtes-vous juif? Pourquoi ils ont cru ça? Ben, parce que j'étais marié qu'une Ah, tout juive. simplement, ouais. Et alors, il y a eu un autre incident à Saint-Rémy, le bled où on avait acheté la maison, que j'ai toujours. Il y avait quand même un gros calibre dans la rue, parce que, et en fait, il y avait 2 juifs. C'est bizarre, parce qu'en fait, des juifs de l'étranger, c'est-à-dire pas des autochtones. Et il y en a une, c'était l'ami de. Comment là? Pas de Nuit et Brouillard, mais l'autre, là, comment il s'appelle? La Shoah, là. Ah, Lanzmann? Ouais, Ouais. Lanzmann. Elle était journaliste à Paris. Ouais. Et alors, un jour, je lui dis, écoute, toi, va te faire sucer par les juifs. Elle a porté plainte, et il Ouais. n'y a pas eu de suite. D'accord. Parce qu'en fait, j'avais un alibi, vu que j'étais avec une juive. Ah, incroyable. Et Chat perché. Un chat perché. à un moment, les flics me disent, il paraît que vous êtes juif.
Ah, je lui dis, non, désolé. Mais en Ouais. fait, j'aurais dû leur Tu dire aurais dû oui. dire oui, Mais non, oui, pas de problème, mais oui. j'aurais dû dire oui, Mais oui. mais c'était, mais en fait, tu vois, là, c'est comme Jean-Jacques Ouais, Rousseau. l'innocence. Quoi? Ah non. Mais bien sûr que j'aurais dû dire oui. Ça aurait Mais été parce que fort. t'es quand même un coquin, regarde ce que je lis là dans La Voix du Nord. Durant l'été, il, donc il c'est toi, Georges, il a arpenté les rues de la ville de Montreuil au volant de sa décapotable, son autoradio hurlant des chants de la Wehrmacht. Il précise l'armée allemande du Troisième Reich, au cas où tu n'étais pas au C'est courant, pas nazi, hein. ou la chanson controversée Show Ananas du Maurice Dieudonné. Bon, tu cherches un peu les embrouilles quand même. Mais non, parce que non, non, pas du tout. C'est mon sens de publicité. Je m'exprime. Donc, effectivement, c'est pas du rap, c'est clair. Mais t'as jamais eu d'attaque, par exemple, sur ta maison, d'Antifa ou autre? Alors, oui, mais ça a été, ça a été justement pas par rapport à ça, mais plutôt par rapport à la manif pour tous. Ah bon? C'est-à-dire qu'en 2000, c'est 2014, Ouais, 2011, 2013, 2013, 2013, je crois. Ouais. ouais, on était parti à la manif pour tous et j'avais les drapeaux de la manif pour tous à la fenêtre. Et ils ont pété les quatre vitres. Parce que, en D'accord. fait, et puis il y a eu les, justement, on voit les Oui, LGBT, toi quoi. tu avais écrit sur ta maison Hollande d'émission et eux ont rajouté un petit drapeau, le drapeau patché des Oui, gays en fait. oui, Ouais. oui, 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 D'accord. oui. Donc Oui, ouais, non, mais c'est. en fait, je n'ai. En fait, j'ai appris à m'exprimer sans peur. Je veux dire qu'il n'y avait pas, c'est pas qu'il n'y avait pas de peur, parce qu'en fait, il y avait de l'intimidation et la presse, en fait, relayait cette intimidation comme quoi je susurrais des chansons aux gens, aux passants dans la rue. Enfin, j'étais un monstre, quoi. Non mais attends, permets-moi de dire quand même, tu es quand même un peu provocateur. Quand tu chantes des chants de la Wehrmacht, c'est pas parce que dans Moi ta j'aime tête. beaucoup spécialement Heidi Heidi. Allez, Non mais tu sais on très sent que bien. c'est entraînant. Non mais attends, tu vas pas me faire la leçon à moi là-dessus. Tu sais très bien que c'est incommodant pour les gens. Donc quel était le sens de cette démarche? Mais non, pas du tout. En fait, ce sont quelques gens Oui. qui ont été traqués par la presse. Mais quand tu vois dans les rétros Ouais. les sourires dans le rétro, Non, c'est vrai. on ne dit jamais c'est vrai. Tout ce que je dis est vrai. Je dirais c'est faux alors. C'est faux? Non, 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 mais. Tu vois qu'il y a un petit sourire. Oh tiens, oh il en balance lui. Oh ça balance à Montreuil. Alors bien sûr, ici c'est complètement anachronique parce que c'est une ville morte en fait. Oui, c'est une ville qui a Enfin un attrait touristique. deuxième village de France élu par la tribu nomade. Hein. D'accord. Ouais. Oui. Dans cette première partie, j'ai une dernière question. Alors, dans ta recherche dissidente, tu fais dans l'éclectisme. Je t'ai croisé à différentes conférences, que ce soit du PDF ou autre. Et récemment, Oui, tu. je me suis. En fait, à partir de Manif pour tous, qui était le grand déclencheur, c'est-à-dire on a vu des zombies tout d'un coup qui existaient, c'est-à-dire les catholiques dans la rue. C'est vrai que le nombre a été important, Ah, hein. mais c'est. Mais. Et puis c'était. Moi j'étais dans cette manif, on était bien. C'était des gens bien. Ils étaient tranquilles avec les enfants, c'était. Mais C'est sain, quoi. ils étaient abasourdis de ce qu'on. En fait, ils découvraient la propagande. Des médias, La propagande des médias, oui, la propagande de la tribu nomade, oui. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent là? Un homme plus un homme, ça fait un enfant? Il y a quelque chose. Mais en fait, ils l'ont découvert eux-mêmes. Et ils sont descendus par millions en disant, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Et moi, en fait, c'est la première fois que je voyais cette France profonde, tranquille, mais gentille, mais. Et ça, habituellement, ils font pas de bruit, mais Non, non. ils sont tout de même des millions. Et c'est d'ailleurs l'électorat un peu de Oh. Fillon, hein. Si Fillon a fait 20% malgré les affaires, il y a beaucoup de ça quand même. Ben, y a une espèce de mauvais rêve, ouais. Ouais. Et tu vois que ce type, il est pas solide, en fait. Ouais. Il est entre deux mondes. Ouais. Tu parles de qui C'est-à-dire, là, de Fillon? il a sucé Sarkozy, et puis après, il essaye d'émerger, et en fait, Disons que on l'accuse de trois fois rien, mais on a fait beaucoup de bruit là-dessus. après avoir été le sous-fifre de Sarkozy, c'est dur de se faire passer pour un résistant à Oui, l'Empire. Il a essayé la mais carte, je suis le Poutine moi, français. quand j'ai vu le phénomène Sarkozy, j'arrivais, je savais déjà qui il était, en fait. C'était un agent de l'Empire. Et d'ailleurs, il a eu cette phrase absolument claire en disant, et ça, c'est la France profonde, c'est qu'elle économise. Et il a dit aux Français cette phrase, Gagner plus, non, travailler plus pour non, gagner non, plus. non. Ça a quand Et même. pire que ça, il leur a dit,
Endettez-vous, et si vous ne vous endettez pas, c'est que vous n'avez pas confiance dans l'avenir. Oui. Et alors là, il heurte. Là, c'est le mur. C'est-à-dire qu'en fait, les Français sont des économes. C'est vrai, ça, je dois reconnaître. Et Les alors Français, qu'en Angleterre, oui, ils tout à vivent fait. sur le jamais-jamais. C'est-à-dire demain, on s'en fout. Tout à Ah fait. Les Français ont un schéma Ah. au niveau de l'argent. Le Travailler, catholicisme, c'est l'épargne. mettre de côté l'épargne. Ah, Ce sont des l'épargne. épargnants, ce ne sont pas des investisseurs. Ils n'ont Absolument pas pas. cette mentalité du Non, tout. non. C'est pour ça qu'en France, vous avez par exemple énormément de personnes âgées qui ont 4, 5, 6 appartements et qui ne les louent jamais. C'est simplement, ils sont contents de leur possession. Effrayant. Oui, Et c'est des écureuils. voilà. Mais lorsqu'ils meurent, donc la moitié va à l'État, mais ça, ils n'en ont rien à secouer. Hein, ça, Ouais, apparemment, ouais. c'est dingue. Ah oui, c'est dingue, c'est dingue. Mais ça, tu vois, c'est l'abîme entre l'Angleterre et la France. Ouais. Donc l'esprit anglo-saxon Mais d'entreprise avec c'est du cinéma permanent. ouais. Et là, je te l'ai dit, en fait, mon fils vient de quitter l'université avec 40 000 euros de dette. Mais il Ouais. s'en fout, je ne le repérerai jamais, de toute façon. D'accord, bah Mais c'est pire que ça. never Nevermind, parce qu'en fait, ils sont. C'est une corruption latente. Elle est là. Endette-toi, on s'en fout. mind. C'est la valeur, en fait. La dette devient une valeur. Et c'est là où Marine Le Pen n'a jamais parlé de ce sujet, qui Ouais. est pourtant. Tu me disais hier, tu penses que Marine n'a pas assez parlé de la dette? Ben non, elle n'en a pas parlé. Hein. En Elle tout cas, dans ses ne élus. sait pas en parler. Parce qu'en fait, c'est pour ça que Soral existe, en fait. C'est parce que Soral, il fait le boulot que le Front National ne fait pas. Par rapport à l'économie, tu veux dire? Par rapport à tout. Ouais. Mais toi, t'es favorable à une sortie de l'euro? Je veux dire, dans le discours politique, t'es favorable à ce qu'un. Mais de Tu toute vois, à ce qui façon, non succédera à mais Marine Le Pen sorte. y a pas à tourner autour du Ouais. pot. Si on n'a pas notre monnaie, on est maître de rien. Ouais. Non, mais le dire, est-ce qu'il faut le dire avant d'arriver au pouvoir ou arriver au pouvoir et le faire? C'est ça la grande question. Oui, mais Ils ça, sont stratégiques, hein. là, on parle de stratégie politique. Oui. C'est-à-dire, on prend les sujets. En fait, comme tu as dit à Soral, si le front a fait 30%, Ouais. c'est pas à cause de son éducation, c'est à cause que les gens ont ras le cul des Arabes. Ouais. Et ça, c'est un truc, ça, c'est le premier contact que les gens ont avec la réalité, c'est Oui, celle-là. bien sûr. C'est-à-dire d'un environnement qui se détériore et qui se ghettoise et qui en fait c'est une pétaudière Ouais. quoi, ça attend de péter. Alors, puisqu'on parle des dissidents un peu connus, Ouais. t'as eu une embrouille un peu avec Plancard-Assas, tu peux nous raconter ça avant Bah en fait l'embrouille elle Toi qui es est. allé comme ça pour parler un peu à ces. Mais Parce en qu'il fait. filme en fait Plancard-Assas, si vous voyez ses vidéos, il les filme en public en fait. C'est des espèces de spectacles, de cette manière. Bah oui non mais en fait il y a pas de y a bon il y a des questions à la fin mais en fait quand la question est un peu pressante parce qu'en fait il y a des émigrés qui vont voir Plancard-Assas parce que eux bon ça c'est l'histoire de l'Algérie et de la création de l'Algérie et de ces gens qui sont entre deux mondes et qui sont très mal parce qu'ils comprennent pas en fait comme pourquoi la France les a lâchés et puis qu'il y a 150 000 personnes qui ont été tuées qu'on a libéré l'Algérie et toute cette merde Ouais. et on la vit la séquence n'est pas finie elle est encore là. Et donc tout ça fait que les gens sont confus et moi en fait j'ai vécu l'émigration aussi d'une certaine manière et je me rends compte ce que c'est parce que mes enfants me disent mais t'es plus pareil papa je dis non je suis chez moi Ouais, c'est sûr qu'eux n'ont connu qu'une Europe multiculturelle, que ce soit l'Angleterre ou la France. Pour eux, ça change pas beaucoup. non mais en fait eux ils sont multicus dans l'âme mais dans les villes c'est partout c'est la fête Mais c'est alors, du coup, dans une logique d'ouverture, tu as essayé de créer le lien avec Poincaré et tu t'es fait dégager, en fait. Oui, mais là, Plancard, c'est plus sérieux parce que lui, en fait, là, on attaque. On essaye co de comprendre ce que c'est que le catholicisme. Ah oui, Et d'accord. alors là, il y a un gros problème. Quelle a été ta question? Qu'est-ce qui a fait que tu l'as mis Mais en fait, je lui ai posé la question parce qu'en fait, il parle des juifs tout le temps, de la franc-maçonnerie, de cette église non. Inexistante. À l'instant même, on regarde, on a une femme qui est fascinée par ton mur là. Oui, il y a du public un peu, ça Tu pourrais existe. mettre une boîte, tu sais, pour que les gens mettent de l'argent s'ils aiment le Mais en spectacle qu'ils fait, sont tu en train de sais, voir. je sais pas si tu as lu sur une des affiches, j'ai dit que j'offrais 20 euros de l'heure pour des gens qui m'apporteraient des connaissances. D'accord. Et jusqu'à maintenant, personne n'est arrivé. D'accord. C'est-à-dire, c'est l'envers de la psychanalyse. Je les paye pour venir. Oui. Mais il n'y a personne qui vient, parce qu'il n'y a Ouais. personne.
Nous sommes dans une société Bon, t'as même pas d'ici, anonyme. c'est un peu une ville Non, fantôme, hein. non, en fait, oui, non, mais c'est une ville de vieux, c'est une ville musée pratiquement. Mais non, mais il y a en fait tout ça là, tous les gens que tu vois, c'est des touristes, hein. Et il y a des Belges, enfin, il y a beaucoup de Belges qui Ils passent. comprennent même pas ce qu'ils voient en réalité, parfois. Ah, si, si, il y a des gens qui, en fait, il y a des, comme à la pêche, tu vois, tu joues à la pêche là, c'est. Il y a des gens qui disent, ah, tiens, oui, ça c'est. L'affiche raciste de tous les pays, unissez-vous, ça doit interloquer quand même. Ouais, mais ils comprennent. Ça, ils comprennent pas. En fait, ils comprennent pas ce que c'est que le racisme. En fait, ils le sont, mais ils veulent pas l'avouer. En fait, ils s'en foutent parce qu'ils ont les moyens. On est au-dessus de ça. Pas Mais besoin d'être les. raciste quand tu habites je ne sais où et que tu veux préserver tout ça. Voilà, mais quand les. Mais enfin, tu vois, on n'est pas loin de Roubaix ici. Enfin, pas loin. Mais il y a des gens qui disent, dis donc, il y a des Arabes ici. J'ai dit, oui, il y en a un. Je le connais. Je suis allé avec lui en vacances chez lui. Et en fait, il est très mécontent. Il envie son frère qui est resté en Tunisie. Parce que lui ici, il se fait chier, tandis que l'autre, il s'en fout. Il est bien, il est au soleil, il est resté chez lui. Et c'est l'horreur. Et en fait, il a la rage. Et en fait, y a cette rage. Ils se sont des déplacés, de toute façon. Donc, ils essayent de. Maintenant, la gauche les a encouragés parce que, effectivement, le slogan, c'était un peu comme la BNP. C'est le slogan de la gauche, c'est votre misère m'intéresse. C'est intéressant, hein? Et surtout, gardez-la, on va l'entretenir. On va vous donner des aides. Et en fait, c'est pour ça que je pense que le cannabis n'est pas encore légalisé, parce qu'en fait, c'est un secteur de la société qui est détenu par des gens qui ont leur obligation, on leur enlève, peut-être qu'ils vont péter les plombs. Donc, Ah faut oui, peut-être pas le d'accord. légaliser C'est finalement. pas la première fois que j'entends cette théorie. Bah, en fait, c'est pas une théorie, ce sont des faits. C'est fait T'enlèves que. le RSA, tu légalises le cannabis et c'est peut-être la guerre civile, effectivement. Y a un problème de. Y a un vide. Il y a un vide. Alors, Hein? excuse-moi, je t'ai interrompu quand tu Ouais. parlais de Plancard. En fait, tu disais que tu lui as posé une question sur le catholicisme et il a pris ça extrêmement mal. Non, en fait, c'est pas la question sur le catholicisme que je lui ai posée et qui a déclenché le truc. Je lui ai posé la question par rapport à Jésus et la fête de la circoncision et de la circoncision du huitième jour. Et alors là, on apporte un sujet très très lourd. Alors attends, oui, parce qu'il faut préciser que jusqu'à une certaine époque, la circoncision était, y compris chez les chrétiens, était rappelée, célébrée en quelque sorte, la circoncision Non, de en fait, Jésus. le premier, jusqu'en 1974, le 1er janvier était la fête de la circoncision de Jésus. Et Vatican II a réussi à éradiquer cette chose. C'était Et là, célébré en fait par les chrétiens. c'était le 1er janvier, la fête de la circoncision de Jésus, c'est-à-dire 8 jours après le 25 décembre. Pourquoi on célèbre ça finalement alors que Ah, ben, parce que. Jésus s'est extrait de Ah, ça en en réalité. fait, les abrutis qui vous disent, on n'est pas judéo-chrétien, et alors là, c'était justement un argument avec Plancard, comme avec Soral, qui dit, on n'est pas judéo-chrétien, mais je dis, vous plaisantez. Vous plaisantez, c'est partout. Et alors, c'est le roi des Juifs, on dit, eh ben alors celui-là, c'est pas le même. C'est-à-dire, en fait, c'est l'ère chrétienne, et nous sommes, ce n'est Oui, non plus mais du attends. judéo. Non mais je suis d'accord avec toi, mais il est quand même haï par un certain nombre de juifs, Jésus, c'est ça qu'on Ah, mais peut. pourquoi il est haï? Parce qu'en fait, il a voulu ouvrir le judaïsme à l'universel. C'est ça, toute la fracture. Et ça, il lui reproche. Parce qu'en fait, il les a trahis d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait, bon, bah, ils ont dénoncé les autorités parce que ils foutaient la merde. Et en fait, il était trop. En fait, je discutais avec quelqu'un qui peignait Jésus et dit, en fait, Jésus est une femme. Et en fait, les Juifs sont des androgynes. C'est pour ça qu'il y a la théorie du Tu genre. vas pas te faire que des amis, attention, sois précis sur ce que Non, tu dis. de toute façon, je n'ai rien. En fait, je ne suis plus. Il y a une chose où je suis plus impressionné, c'est par le Candiraton. J'ai dépassé ça. C'est-à-dire que je n'ai plus peur. Parce qu'en fait, on peut dire, justement, s'exprimer, c'est pouvoir dire. C'est-à-dire que tu as des munitions. C'est-à-dire tu sais. Et il y a des gens qui veulent pas. Et là, en fait, la majorité ne veulent rien savoir. Quand tu dis qu'il Et y a donc. une féminité dans la figure de Jésus, c'est que pour Ben toi, c'est l'amour, l'amour est une vertu bah oui, féminine. c'est tout le quiproquo de l'amour. Et en fait, les catholiques, ben ils sont bons, ils sont gentils, et gentils comme les définissent les autres. C'est-à-dire qu'en fait,
entre les musulmans et les juifs, le catholique est pris en sandwich. Ouais. C'est le sandwich. Et il est. Et en fait, il ne peut pas se défendre. Donc, ce que tu as voulu montrer, enfin expliquer à Plancadassac, c'est qu'on ne peut pas totalement se détacher du judaïsme lorsqu'on est catholique. C'est ça que toi tu as voulu dire? Non, mais je lui dis tout simplement que dès le départ, c'est foutu. C'est-à-dire, en fait, C'est-à-dire, c'est une grande c'est phrase, mais. foutu. C'est-à-dire, en fait, en 400 quelque chose après Jésus-Christ, l'Empire romain prend la religion Avec Constantin, chrétienne. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que c'est que la religion? D'un point de vue prosaïque, ben c'est comme les assurances pour les maisons. C'est exactement la même chose. C'est une assurance tout risque. C'est-à-dire, en fait, on garantit la raison. C'est l'explique. En fait, les religions prétendent, en fait, donner une explication au monde. Hein? Puis alors là, en fait, On va en parler dans la seconde partie parce que c'est on très rentre dans le important comme. cinéma. En fait, c'est déjà le cinéma. C'est déjà le cinéma, mais en fait, puis en plus, ces religions, d'où elles naissent? Elles naissent du désert. Là-bas, il fait très chaud, il y a des mirages, et à un moment, on ne sait plus qui dit quoi. Pour toi, c'est de la représentation, en Ah, fait, mais c'est complètement, pas. c'est du délire. Et en fait, de vouloir, ces délires sont irréconciliables. C'est là où Soral se fout le doigt dans l'œil. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait du bon travail, il a fait surgir les premiers. Ouais, moi je Mais pense après, il y a tout le reste. qu'il est intelligent, assez intelligent pour le Oui, savoir, oui, hein. C'est juste oui. qu'il s'est, il a Oui, choisi mais. la dimitude, hein. Ce ne sont. Ben. En fait, c'est le problème de la notoriété. C'est que la notoriété est un problème. La notoriété, comme je l'ai appris en Angleterre, la définition, c'est il est connu parce qu'il est bien connu. Après, il y a l'image, et après, il y a la réalité, et jusqu'où, en fait. Justement, j'étais en train de lire Alice au pays des merveilles, jusqu'où le lapin creuse. Et c'est ce que j'ai dit à Plancard. Je lui dis, mais en fait, On y revient. oui, on y revient, parce que, en fait, c'est un type qui enseigne l'histoire. Il s'est fait virer du Front National pour cette raison, qu'il était à Belgique, il était neurochirurgien. Et en fait, il a enseigné notre histoire récente, justement, par rapport aux identités. Mais il va, en fait, il ne creuse pas plus loin qu'un certain moment. Et ce moment, en fait, c'est le catholicisme, c'est-à-dire la bonté du catholicisme. Et c'est un mot qu'on entend rarement, en fait, chez les dissidents, c'est que le savoir, c'est le plus important au monde. C'est-à-dire, c'est naissance, connaissance, reconnaissance. Tout ça, c'est comme ça qu'on s'élève. Oui, bon, là, Et ça on prend un passe. certain temps. Bon, ok. Oui. Et où est-ce Non, on qu'on. passe de sujet en sujet, mais ce que je Mais. voulais dire par rapport à cette anecdote De de Plonkart, Blocard, c'est c'est-à-dire, qu'il a il été s'arrête au réfracté à la critique. catholicisme. Finalement, il a pas aimé ta critique. Non, mais en fait, attends, là, j'ai pas allé. En Oui. fait, ma question était, quand on viole gentiment, avec les dents, un bébé de 8 jours, Oui, donc là tu parles de la circoncision, ouais. qu'est-ce que ça crée? Ben non, c'est normal, ça crée rien. Et même Ryssen refuse de voir. Il m'a dit, oui, mais alors, et les femmes? Les femmes, en fait, elles suivent, elles sont malléables, elles suivent toujours jusqu'à un certain point l'homme, et puis après, quand elles deviennent Oui, autonomes, c'est ben, vrai ça donne le qu'il y a ce délire actuel. contre-argument, on se dit on peut Comment? pas on, et ce contre-argument, on se dit on peut pas tout miser sur le fait que les Juifs soient circoncis pour expliquer leur comportement parce que leurs femmes évidemment ne le sont pas. Mais Oui, elles sont les mais femmes elles de leur suivent. mari, donc Et ensuite, et ce qui est grave, c'est qu'elles assument ce viol. Mais alors ce qui est paradoxal, c'est finalement t'as pas fait une critique acerbe ou méchante du catholicisme, mais Plancard t'a viré en te traitant de franc-maçon. Oui, C'est quand même drôle. parce que il me dit la France n'est pas judéo-chrétienne. Je lui dis, vous plaisantez, elle est partout. Le Christ, il est partout. Ça fait partie des meubles. Oui, mais lui Mais qu'est-ce que ça veut a dire? considéré que le Christ n'est pas juif, c'est tout. C'est le roi des Juifs, en plus. Oui, mais un catholique va dire que c'est le fils de Dieu, Ah enfin. oui, non, mais ça, là, il reprend le délire de leur délire. C'est Oui. je suis le messager, j'attends le Messie. Oui, Et d'accord, mais tout attends, ce ne fais pas bazar. semblant de ne pas comprendre. Si tu es catholique, c'est que tu crois que Jésus est le fils de Dieu, c'est pas un délire, c'est une croyance. C'est toi Oui, qui mais considères ça comme un délire. non, Mais mais en lui, de fait, son les point de vue. croyances sont des délires. D'accord, mais lui, de son point de vue, je comprends qu'il puisse être agacé. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il va te traiter de franc-maçon. Ça, je Mais ne parce comprends que, en pas. fait, il arrive à un point où c'est comme toi avec Soral, il y a un point où le raisonnement ne tient plus. Donc il s'énerve. Donc il te raconte et il va être, en fait, il t'envoie dans les
dans les choux. Et plus triste encore, je trouvais que non seulement il t'a dégagé, mais il a même pas gardé au montage le Non, il moment a où il t'a pas montré. dégagé. Non, il n'a pas montré. Non, mais il m'a accusé d'être franc-maçon en désespoir de cause. Oui. Il n'y avait plus de cause. Il était plus capable de discuter des causes. Oui. Et alors, quand on voit la vidéo de Roger Domergue, ce naturopathe juif qui parle de ses congénères, c'est 43 minutes de bonne heure. C'est-à-dire que tout est remis en... Perspective. On En, met en, 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 comment on appelle ça, à en... son à sa place. Oui, mais il y a un mot pour ça. Ça s'appelle le rationnel. D'accord. C'est-à-dire, il y a plus de cinéma là. Justement, On parle de... on va parler de rationalité et Ah de oui. spiritualité dans la deuxième Ouais. partie. Bah écoute, restez avec nous. Nous, on fait une petite pause. On revient dans la deuxième partie. On va notamment parler de ce bouquin que j'ai pas encore abordé et qui est un peu à la base de ta réflexion actuelle sur le monde, quoi. Ce fut un départ, oui. Et surtout, cette fameuse phrase qui dit pourquoi le silence dans les rues? Voilà, D'accord. ça c'est la grande question. Fini sur ce petit mystère. Restez avec nous, on revient tout de suite. À la Villette, on tranche le lard. Hop. Deuxième partie de Vive l'Europe. Georges nous a coupé encore Et quelques tranches de saucisson voilà, et la et peau, c'est nourrit pour sa Faustine. petite chienne. Voilà. Voilà. Qui a très bon goût. Ouais. C'était l'année des F où tu l'as appelée Faustine parce que Enfin, tu non, fais ce non, que c'est tu veux. l'année des F, oui. C'est vrai? Bien T'as eu... sûr. Oh, bah alors incroyable. T'es un excentrique, tu fais ce que tu veux sur ta baraque, mais tu respectes l'année des chiens. Oui, J'ai mais toujours trouvé j'ai... ça drôle, moi, quoi. Ben oui, mais j'avais, elle était noire. Oui. Et pour un Jack Russell, c'est très rare. J'ai dit noir, F, Faustine. Ouais. Donc Faustine, c'est très. Puis Faustine, c'est le marquis de Sade, enfin toutes ces conneries. Non, mais moi j'ai toujours trouvé étonnant, enfin ça n'a rien à voir avec toute l'émission, mais que les gens soient, de manière générale, suivent le train-train jusqu'à Obéissant. donner le prénom qui correspond à l'année du chien, l'année Bah où ils ont eu ouais. le chien, comme Ouais. si en fait une justice allait mettre en prison si au lieu de l'appeler par F, Oui, il non, mais je l'appelait suis bien par X. d'accord C'est avec drôle. toi. C'est les mauvaises Quand même habitudes. incroyable, quoi. Oui, non, Ouais. mais c'est les mauvaises habitudes. Ouais. Si tu suis des habitudes. Alors, on va parler entre autres de ce livre dans cette deuxième partie. Si quelqu'un ne l'a, les gens qui n'ont pas lu, comment tu pourrais le résumer brièvement? Quelle est la thèse? Quel est le... Alors, Jean-Pierre Voyer, c'est toute la fin des années, enfin, la fin des années 70 et du situationnisme. Ce Alors, livre a été écrit en quelle année? 76. Ok. Alors, Voyer est un critique, Sont pas taper pour le. est un critique acerbe de Debord et Mmh. de sa soi-disant société du spectacle, qui lui l'a retourné en disant c'est le spectacle de la société. En fait, la société est profondément anonyme et elle n'existe pas que par des signes de reconnaissance de la marchandise, etc. Ce dont te parle un peu Cerise ou l'autre là, qui me fatigue profondément parce que c'est un debordien. Mais bref, Jean-Pierre donc a écrit ce livre qui est absolument lisible et clair et le titre dit bien ce qu'il veut dire. Une enquête sur la nature et les causes de la misère des gens. Ça Ouais, promet, hein. voilà. Et en fait, c'est une critique de Marx et qui est très simple. En fait, le mode de production capitaliste n'est pas un mode de production matériel, mais un mode de production de signes de reconnaissance. Alors, qu'est-ce que Et ça veut dire? là, c'est lié avec Baudrillard qui a fait l'étude de... Attends, parce que là, il faut être très très clair parce Ouais. que l'énoncé ne suffit pas, on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut Non. dire? Bah, des signes de reconnaissance, c'est-à-dire que tu possèdes des objets Oui. et que tu es reconnu pour ces objets. Voilà. D'accord. C'est-à-dire les biens matériels. C'est ça Mais qu'on c'est appelle. d'abord un objet de reconnaissance, c'est-à-dire que tu as les signes extérieurs de richesse, qui sont en fait que des signes purement... Oui. Mais qui impressionne. Alors, moi, de ce que j'ai retenu du bouquin, ce Ouais. qui m'a plu, c'est que ce livre montre que les gens de peu, les gens pauvres, sont toujours maintenus dans leur pauvreté par des idéologies. Et c'est pas seulement une critique des religions, ça te montre aussi que Non. les idéologies politiques sont utilisées, eh bien, pour que les gens restent dans leur misère. Et c'est Ben très du en marxisme, il y fait, a... la pauvreté, justement, dans sa définition, est celle-ci. C'est-à-dire que c'est pas la lutte des classes, mais la lutte des places. C'est-à-dire, tu restes à ta place. En fait, ce que j'ai découvert, moi,
en même temps que je lisais ce livre, c'est que dans ma boîte, comme on dit, la boîte, parce que l'usine, toi, on l'a pas dit, tu étais cuisinier. Non, non. Ah là, bon, c'était, avant ça, là, c'était, ouais. Mais en fait, j'ai travaillé 7 ans dans ma vie seulement. C'est-à-dire, quand j'ai dit travailler, c'est-à-dire que je m'exécutais en tant que salarié. Après, c'est une autre histoire. Donc, c'est été, carrément une autre histoire. Tu as travaillé pendant 7 ans comme été, ouvrier. J'étais technicien. D'ailleurs, nous avions le titre de collaborateur. Technicien, agent technique charmant. Numéro 1. Nous étions collabos. Mais en fait, j'ai rien contre la collaboration. Mais ça, c'est comme ça qu'ils nous appelaient. Et donc, en fait, nous découvrions le monde du travail où chacun est à sa place. Et pour ceux qui n'étaient pas contents, il y avait le syndicat qui nous organisait des revendications et des choses qu'on aurait dû aspirer naturellement à avoir plus. À ce moment-là, je pense que tu te pensais marxiste. Mais je ne me pensais pas marxiste. En fait, j'étais rien. J'en tenais une couche et je supportais tout ce qu'on me disait de faire. Jusqu'au moment où j'ai commencé à essayer de comprendre, donc en allant à l'université de Vincennes le soir, et en m'engageant dans le syndicat, et puis en fréquentant les autonomes, et puis toute cette espèce d'essai. En fait, j'étais un essai à l'essai de comprendre. Finalement, la lecture de ce livre a été un cap pour toi, la lecture de ce livre, parce que... Oui, parce que, en fait, en même temps, à un moment, j'ai été dans une... Il y a eu une grève sauvage dans notre boîte. Et j'étais à la CGT, on m'a dit, alors je leur dis, bah alors on les supporte, parce que c'était des chantiers téléphoniques qui venaient de, ouais. de n'importe où, ils venaient à la boîte pour gueuler des sous, enfin des conditions, ouais, bref. Ouais. Et je leur dis, bon bah alors on les supporte, ah non, ah je dis pourquoi non, ah bah ils sont pas de chez nous, ah je dis comment ils sont pas de chez nous, ils sont dans la même boîte, le LMT, le matériel ouais. téléphonique, a dit oui mais on sait pas qui c'est. Ah, tu vois, c'est un peu comme Plancard me dit, je suis franc-maçon, on sait pas qui c'est, parce qu'on les contrôle pas. Ouais. Donc, à partir de là, on les supporte pas. Alors, et à ce moment-là, je suis parti avec eux dans les couloirs, et puis il y a un mec qui m'a accordé un trotskiste qui me dit, ah ouais, attends, je vais t'expliquer, tu vas voir, je vais t'expliquer ce qui se passe avec la CGT. Bon. Et j'ai été pendant 3 mois, dans des cours, du soir avec les trotskistes de lutte ouvrière. Oui. Et puis à un moment, je lui apporte le livre d'abord de Debord. Je lui dis, tiens, t'as lu ça, la Société du spectacle? Ah, il dit, ah, non, 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 ça, faut pas lire ça. Non, 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 ça, c'est la merde. Parce qu'en fait, Debord, c'était, en fait, la Société du spectacle, c'était un inventaire du mouvement ouvrier. Lui, il était pour les conseils ouvriers, enfin, un truc vide, d'ailleurs, aussi vide que le reste. Mais bon, bref, il avait fait l'inventaire et il dit, en fait, tout ça, et alors, après, je l'y voyais, et il dit, mais en fait, eux, c'est les proprios du prolétariat. C'est-à-dire, en fait, vous êtes misérables, ça nous intéresse, on va s'occuper de vous, on va vous apporter la conscience de classe. Alors là, quand tu entends le mot classe, tu vois, tu dis, il y a erreur sur la personne. Alors finalement, en fait, ces gens qui prétendent lutter pour les ouvriers, eux ont une vie semi-bourgeoise, voire bourgeoise, et les ouvriers restent ouvriers, non, ça ne change pas leur condition. Non, c'est pire que ça, Daniel. C'est pire que ça, Daniel. En fait, ce sont des gens qui ont déjà passé un certain temps dans l'usine et qui s'imaginent qu'un jour, ils vont être à sa tête. Ah, oui. C'est-à-dire, ils reproduisent la même chose. Bon, on va changer la couleur de papier de chiottes, hein, okay, ça ira. Et puis, non, mais en fait, ce sont des prisonniers parce que la boîte, comme son nom l'indique, en fait, c'est une boîte. Oui, mais... Et t'en sors pas, il n'y a aucune classe dedans, par contre, il y a des couches. C'est peut-être... ces chefs un peu du syndicalisme ont des avantages que n'ont pas les travailleurs. Et en fait, ils finissent toujours par... Oui, mais en fait, c'est dérisoire, les avantages. Bon, peut-être qu'ils... Je sais pas, on a eu un exemple récemment, ils se font refaire leur truc avec les sous du syndicat, mais ouais. Bon, c'est dérisoire. En tout cas, t'as compris, en étant dans le monde ouvrier, que le marxisme n'était pas une porte de sortie, mais maintenait les gens dans leur... C'est une porte de prison. Ah oui, ça enferme dans chaque mais complètement. Caste, finalement. Et puis, en fait, c'est un truc paternaliste, on te dit... Mais toi, de toute façon, tu as... D'ailleurs, c'est ce qu'il m'avait dit. Moi, je commençais à m'échapper déjà avec la moto. Parce que j'avais trouvé un échappatoire avec la moto. J'adore la moto parce que la moto, c'est le transport. Ouais. Hein? Alors, les filles, pas trop, mais la moto, oui. Ah oui, j'adore la moto. Et je l'aime toujours. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai encore une décapotable. Parce que c'est un excellent D'accord. compromis entre la moto et la caisse. Et c'est à ciel ouvert. Mais en fait, j'allais voir des courses de moto dans toute l'Europe. Tu digresses là, attention. Ouais, je digresse, mais en fait,
En fait, Attention là. c'était en fait toute une psychologie de vouloir s'échapper de cette boîte. Parce qu'en fait, tout y ramenait. T'en sortais pas, en fait, quand tu étais au syndicat ou même à l'université. Et j'étais content d'avoir des ouvriers. Oh, des ouvriers qui viennent se renseigner sur le monde. C'était marrant parce qu'il y avait vraiment un déséquilibre total parce qu'eux, ils étaient contents C'est ce qui t'a donné envie, en fait, de te mettre à ton compte, d'être en privé, en fait. Oui, mais ça, tu le sais pas. Ça, c'est l'épisode d'après. Parce qu'en fait, tu as tout largué là. Là, c'est lent. Là, tu pars en. En fait, t'es bien. Là, y a plus rien. On est tranquille. Hein. Alors, tu découvres les hippies qui te racontent des conneries avec leur nirvana. Là, c'est tout le New Age, tout ça. Je me dis, ouais, non, mais non, non, Mais non. finalement, c'est marrant parce que tu as une personnalité qui semble excentrique de prime abord, mais tu es très rationnel, en fait. Tu es très Ah, pragmatique comme mec. Tu vois? absolument, absolument. En fait, tu vois, je me suis baladé. En fait, donc, il était pas arrivé, l'autre con avec son bateau. Donc, on est parti au Népal pour faire un trek, tu vois, de 15 jours. Putain, mais j'ai perdu 20 kilos, tu vois. On était bien, on était dans les Himalayas. T'es à 3000 mètres d'altitude, il y a des champs de blé, il neige, tu rigoles. Tu vois, hop, il y a le soleil qui arrive, pouf! Merde. On a marché. J'ai rencontré une Américaine à ce moment-là. Et on est allé au camp de base de l'Annapurna, à 5000 mètres, en Clarks. Hein. Même à un moment, elles ont éclaté. Le mec dans le village, il a rafistolé mes godasses. En fait, on était. Ouais, Bon, bref, t'as changé de vie, ça quoi. planait. Alors, ce qui est intéressant dans ton parcours de vie, t'as fait pas mal de voyages, mais puisqu'on parle de marxisme, tu as pu constater notamment qu'en Asie, l'idée de lutte des classes est... Non, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, certaines idéologies ne sont pas exportables du tout et correspondent en fait Là, aux gens qui l'ont c'était. créée, parce que finalement, les Asiatiques restent à leur place et n'ont pas le désir d'émancipation. Le discours de lutte des classes ne passe pas trop là-bas, en fait. Mais en fait, là, j'étais en Thaïlande l'année dernière, et eux, en fait, ils ont un truc, c'est que, en fait, les femmes est propriétaire du sol. Ils ont le droit du sol. Et en fait, elles ont donc tous les droits, tous les pouvoirs. Et en fait, les imbéciles qui vont tirer un coup là-bas, ils ont jamais le dessus. Ils sont déplacés. Parce qu'en fait, ils leur donnent tout ce qu'ils ont, mais en fait, ils n'ont que de l'argent. Mais elles ont le sol et elles bossent. Et elles bossent comme des, pas comme des malades, en fait, elles sont en pleine santé, elles pètent le feu. Parce qu'elles ont plein d'activités et les mecs, c'est pour ça qu'ils se transforment en femmes, en fait. Les lady boys, ils essayent de concurrencer les femmes sur leur terrain. C'est-à-dire que l'homme n'a pas de place dans la société Non, thaïlandaise. non, 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 il est hors jeu. Mais en l'occurrence, ce que tu me disais surtout, c'était dans la volonté de... Enfin, les Asiatiques sont très travailleurs et ils n'ont pas de prétention. Mais C'est-à-dire ils que sont bouddhistes, ils c'est-à-dire travaillent qu'ils parce ont. qu'ils travaillent. Mais C'est ils sont du... bouddhistes et justement ils sont pas la mentalité judéo-chrétienne. Ils sont pas torturés avec ça. Ils prennent le monde tel qu'il est. Et puis en fait ils jettent leurs ordures partout. Ils en ont rien à foutre. Quand ils sont à la place de travailleurs, ils sont travailleurs, ça les torture pas, quoi. Absolument pas. Et en fait ils se posent pas des questions qu'on leur a jamais demandées, qu'on leur a jamais posées parce que c'est ça. En fait les Juifs justement ont un complexe du sauveur. Ils veulent sauver le monde. Mais en fait, quand ils parlent de ça, c'est d'eux-mêmes qui veulent se sauver. Parce qu'ils sont torturés profondément par cette originalité de s'être mordu la queue au huitième jour. Et ça, c'est terrible. Et quand on parle de ça, c'est tellement simple. Alors Mais. justement, on peut faire un petit appendice là-dessus. C'est vrai que moi j'ai toujours été choqué par la circoncision, et surtout j'ai toujours été choqué que ça ne choque pas les gens. C'est-à-dire Mais non, parce que. on m'oppose toujours, genre, Oui. je dis, mais quand même, on devrait laisser à l'enfant, s'il veut se circoncire à 15 Non, ans, il se circoncise s'il veut. Et les gens disent, non, mais c'est une coutume, une non, non. tradition. C'est une culture. Et oui, mais c'est grave. C'est comme si nous, notre tradition, c'était de nous couper un doigt, je sais pas. Et il y avait Oui, mais ce... là, c'est génial, hein. C'est génial parce que, en fait, comme l'explique Domergue dans huitième jour, c'est la première puberté du garçon et ça engendre des êtres absolument
spéculateurs, en fait, qui ont de la mauvaise foi des femmes. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité de s'abstraire justement de l'émotion. En fait, c'est ce que j'ai découvert avec les femmes. C'est qu'en fait, on dit toujours le sexe faible. Mais non. En fait, elles sont extrêmement fortes dans la mesure où ce sont les créatrices. Ce sont elles qui engendrent. Et en fait, bon, j'ai vu ma femme accoucher et j'ai entendu les tripes sortir. Pas, en fait, quand elle crie dans le labeur, ça vient de très profond. Et puis tout d'un coup, elles entendent. Alors, c'est le mammifère qui m'ébat. Et tout d'un coup, elle te dit, il y a quelqu'un dans le couloir. Et toi, tu te dis, hey, oh, elle est en train de crier et tout ça. Et tout d'un coup, elle a perçu qu'il y a quelqu'un dans le couloir. Tu ouvres la porte, effectivement, il y avait deux travailleurs qui étaient en train de prendre Ton coup, leur déjeuner. vous Je leur dis, changez, vous mais changez. qu'est-ce que ça a à voir, là? Qu'est-ce que ça a à voir entre toi, là, qui est, hein? Et eux qui sont juste en train de bouffer leur sandwich. Mais parce qu'elle avait senti que ces gens n'étaient pas là normalement. Et ce jour-là, ils étaient là. Ce que tu veux dire quoi, c'est que la femme est dans un Elle est présent dans un. perpétuel. Elle a une présence en fait à elle-même, et ça je l'ai découvert avec le journal de personne. Cette personne qui fait un journal de 1500 vidéos, en fait, elle m'a fait découvrir jusqu'à quel point la femme peut être imbue d'elle-même. Et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant Ou elle va être contente. elles vont coucher avec leur téléphone portable, parce que en fait c'est le bébé de leur image. C'est elle qui tourne en boucle. En fait, elles n'arrêtent pas de se voir. Et en fait, elles sont préoccupées constamment de leur apparence. Ah, l'image, c'est elle. En l'occurrence, là, bon, ce que tu veux dire, c'est que dans la psychologie juive ou chrétienne, il peut y avoir une part de féminité. Et toi, tu penses que c'est lié, entre autres choses, chez les juifs, à la circoncision? En tout cas, tu penses, soyons plus généralistes, tu penses que la circoncision, et je suis d'accord avec toi, a un impact sur la psyché et sur la psychologie de l'enfant, ça semble Ah évident. ben c'est en fait là on touche à un point important qui est le cinéma et la notoriété. C'est-à-dire qu'en fait la capacité de projeter des scénarios qu'on n'a jamais. En fait, j'ai appris le mot pile-poule avec Soral. C'est-à-dire une capacité de raisonnement jusqu'à l'absurde. C'est-à-dire on épuise Ce qu'on l'argument, peut appeler la casuistique aussi. Tu te dis, putain, là, c'était quoi la Mais question? vrai que, en fait, moi, j'ai commencé à me poser des questions sur le judaïsme en général, en philosophie, parce que quand je lisais des auteurs de philo juifs, alors même que je comprenais Kant, Nietzsche, je comprenais ce qu'ils disaient. Je veux dire, sans me mettre à leur tort, je comprenais le sens. Tu Je suivais le suivais, sens, quoi. Voilà, Pascal, je comprends. Et je lisais des auteurs juifs, je ne comprenais non, pas ce tu qu'ils comprends voulaient plus dire, en rien. fait. Parce que, en fait, ça résume la phrase credo absurdum. J'y crois parce que c'est absurde. Parce que c'est une raison d'être, l'absurde. Parce que, en fait, les gens mènent une vie. Alors, c'est là qu'à un moment, quand tu découvres ça, tu découvres aussi un vertige. C'est-à-dire que les remparts de Montreuil, c'est rien. C'est vertigineux, c'est-à-dire que tu découvres un abîme d'avoir grandi, de t'être élevé en dehors de ça. C'est-à-dire, en fait, moi, je me définis comme un déserteur. C'est-à-dire que j'ai quitté des couches. Et des couches dans le sens de bébé, tu vois. Parce que, en fait, on t'en remet des couches. Et tout le discours. En fait, tout le discours, ce que j'ai découvert par rapport à Alice au Pays des Merveilles, en fait, c'est pas un truc pour les enfants du tout. C'est un truc qui parle de grandir. Et justement, Alice, en fait, à part qu'il était, bon, peut-être pédophile, on s'en fout. Mais en fait, le thème d'Alice, c'est de grandir. Et aussi de rapetisser. C'est-à-dire, quand elle est face à un monde, ben, il t'impressionne. Et tu te sens tout petit parce que tu es incapable de l'expliquer. Et en fait, le fait que je puisse m'exprimer, c'est le fait que je me suis élevé en dehors de ce monde. En fait, quand l'autre abruti au bout de la rue dit je suis indigne, c'est ce qu'il veut dire. C'est que je ne suis pas en place. Ce n'est pas ma place. C'est tout ce qu'il dit. Mais j'ai découvert qu'en fait, grandir, c'est ne plus être impressionné. Donc en fait, dans le cas de la circoncision, je reste un peu terre à terre, ça crée un traumatisme
Mais ça, c'est que énorme. dans le reste de leur vie, ils essaient de compenser par la fiction, par Mais exemple. en fait, l'antisémitisme, comme dit Domergue, est chez le juif, il a un sentiment, tout ce qui n'est pas juif est un ennemi. Et c'est vrai qu'on a aussi un antisémitisme de la part de juifs ou d'anciens juifs, comme c'est le cas de Bobby Fischer. Tu sais, le juif À un tchèque, moment, il pète, il oui. devient fou Ah et ben, on sent bien. en fait qu'il a du ressentiment par rapport à ce qu'on lui a fait subir. C'est pas Et il seulement. se rend, et tout d'un coup, il se rend compte, et là, il y a la rage qui. Ouais, qui revient. Hein. Oui, parce que c'est énorme, c'est énorme. Mais c'est aussi le frère Nathaniel là, qui pond ces trucs là. Lui, il est orthodoxe, il est joyeux, en fait. C'est ce qu'il dit. En fait, on nous a castré de la joie. Parce qu'en fait, tout le but de la vie, c'est la joie, l'allégresse et le savoir. C'est aussi le gai Gai savoir. savoir. Mais en fait, c'est le savoir qui rend gai, qui rend allègre. C'est celui-là qui soulève. Mais le reste, c'est tout ce qui t'atterre. En fait, tu es infini. C'est Alice au pays des cauchemars. Cette mutilation initiale te prive à jamais en fait d'une joie, Oui, d'une mais te donne le génie de l'embrouille. ouais. C'est ça. Et en fait, quand tu voyais des films comme Le Sting, l'arnaque Ouais. avec Paul Newman, Ouais. mais les gens adorent ça. En fait, ils adorent l'arnaque. Non, Et mais... d'ailleurs, le seul pays où je me suis fait arnaquer, tu vois, c'est en France, parce que leur petite mesquinerie de merde, des cathos, ils m'ont arnaqué, parce qu'ils sont pas réglo dans les affaires. Ils font des coups tordus, tu vois. Mais Ouais. minables, mesquins, tu vois. Ouais. Les trucs, ils te payent pas parce que je tiens, c'est payé. Et puis Il est vrai voilà. que, on va dire, les Juifs sont très présents, notamment dans le cinéma américain, dans la réalisation, dans la production. Et leur Ouais. esprit un peu retorse plaît parce qu'il est vrai que dans le spectacle, ce qui est amusant, c'est les rebondissements. Je veux dire, par exemple, filmer une histoire d'amour qui se passe bien, ça n'a aucun intérêt. C'est tant mieux pour le couple, mais en tant que spectateur, tu te fais chier. Je veux Tu dire. vois, il y a voyer le Ouais. voyeurisme. En Ouais. fait, c'est du voyeurisme de premier plan. C'est-à-dire que les gens, en fait, avant, les Ça gens crée du étaient drama en fait. derrière leur rideau. Maintenant, c'est rideau tous les jours avec la télé. C'est-à-dire, on a importé le cinéma. Cet acte originel qu'on fait au 8e jour, alors chez musulmans c'est plus tard, c'est vers 7-8 C'est ans, je sais pas si c'est même à pire. 13 ans, j'en ai assisté une à Ceylan, c'était à Ah 13 d'accord. ans. À 13 ans, ça fait plus mal, hein. Ouais, Ah tu t'en ouais, souviens vraiment quoi. là c'est comme le saucisson, là. Ouais, Oh oui, là, ouais. Ouais. Mais ce drama fait qu'après tu as une tendance à recréer des dramas via la fiction notamment quoi, ou la religion pour certains. Mais c'est une truc spéculative absolument démente. Alors, est-ce que l'équivalent de ce traumatisme chez les chrétiens, j'ai l'impression que c'est l'idée du péché originel. Personnellement, j'ai toujours vécu ça comme un handicap, l'idée que on naisse pécheur. Ouais, mais toi, tu as été exposé à la religion, Oui, mais on va dire pas normalement, férocement pas quoi. Mais férocement. quand même, du côté de mon père et de ma grand-mère paternelle qui était Ouais, italienne, il y avait une il y culture avait des catholique. liens, Il y avait une culture catholique. ouais. Et l'idée du péché, je l'entendais ça très souvent. Et je Oui. disais, mais si moi j'ai rien fait, je suis pas pécheur. Et ma grand-mère me disait, on est tous pécheurs. Et je comprenais pas ça. Ouais, mais en fait, moi, j'avais ressenti ça comme. Moi, justement, je me suis rendu compte que le jeudi avant, c'était le jour du catéchisme. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte que tous mes petits amis n'étaient pas là. Dans mon HLM, ils étaient tous à l'église le jeudi matin. Eh bien, de la chance. T'as connu l'époque des HLM où les gens allaient à l'église. Ben oui, d'ailleurs, j'ai fait ma thèse de sociologie sur les cités-jardins. D'accord. Parce que les cités-jardins, c'était les premières cités socialistes. Et alors, quand tu t'es dit ça, alors c'était copié des cités anglaises. Oui. Que les cités-jardins, c'était comme les cités Michelin. Là, tu nais Michelin, tu meurs Michelin. Mais là, c'était, tu nais socialiste. Et alors, il y avait un endroit qui était banni dans la cité-jardin, qui n'existait ni dans la cité-jardin anglaise, ni dans la cité-jardin française, qui était quoi? L'endroit où on parle en public, c'était quoi? Je ne sais pas. Ben, c'est le bar. Ah. Et c'était interdit. Par contre, il y avait des tas de bibliothèques, des écoles, des machins, mais il n'y avait pas de bar, parce que, comme disait John Ruskin, un célèbre esthète anglais, dont parle Pierre Hilard d'ailleurs, il dit, oui, le bar, c'est l'endroit où on ne peut pas contrôler les gens. Parce qu'ils parlent entre eux. Ouais. Il n'y a pas de manufacture de culture. Là, ils sont en roue libre. Donc, hein? Discute, ils Et discutent, ils voilà, parlent. on ne sait pas ce qu'ils disent.
On ne peut pas le contrôler, ça. Alors donc, ben, ça ne doit pas exister. Parce que tout le reste, on va leur donner des jardins, on va leur donner des livres, des livres, des livres, encore des livres. Ouais. D'ailleurs, je ne peux pas résister à cette digression de. Quand j'ai lu Vaneigem, le traité de savoir-vivre à l'usage des générations, il dit, il y a cette petite anecdote où il dit, il y a une armoire et il y a des gens qui sont écrasés par cette armoire. Et alors, quand on ouvre l'armoire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des livres. Et qu'est-ce que disent ces livres? La raison de l'armoire est toujours la meilleure. Tu vois? Ouais. Parce que des livres, en fait, c'est ce que me dit mon fils, là, qui vient sortir avec Alors un attention, ticket. tu n'es pas anti-littérature parce que tu as une très très belle bibliothèque et tu as lu beaucoup de bouquins. Oui, mais non, j'ai pas lu beaucoup de bouquins. En fait, il y en a très peu de bons. Et le premier livre que j'ai lu, c'était justement Le voleur de Georges Darian, que j'ai traduit en anglais. Bon, en fait, ça n'intéresse personne. Mais c'était un réfugié, en fait, anarchiste. Et qui parle, un très mauvais film a été fait de ça, mais le bouquin, en fait, il parle de, il y a les lignes, il dit la loi, c'est les lignes, mais c'est surtout ce qu'il y a entre les lignes. Et c'est là que tout se décide. C'est-à-dire, en fait, c'est un jugement. Et à partir où on ne peut pas avoir de jugement, ben, en fait, on ne peut rien faire. Et en France, il y a des tas de trucs qui disent, ah, c'est pas bien de juger les gens. Ah, c'est pas bien. Et là, en fait, c'est un carcan, c'est ce dont tu parlais juste avant, c'est-à-dire, en fait, Ouais. tu fais pas ça, nanani, Un dogme, quoi, des dogmes. nanana, et en fait, la police en France a un peu le statut de Dieu, c'est-à-dire, elle est partout, elle est nulle part. Et en fait, tu sais qu'il y a des enjeux de conduite, de permis de conduire et tout ça, où, en fait, comment on se permet de conduire dans ça. Bon, je devrais pas dire ça, là. Non, je ne Alors le ne le dis dirai pas. pas. Non, mais en fait, moi, je conduis. Ouais, je peux pas Je dire. vais rester sur le sujet parce que je Ouais. te sens voguer sur le Oui, ça navire de ta vogue. pensée En fait, là. c'est le transport. Oui. Parce qu'en fait, ce qui soulève, c'est le transport. Et C'est-à-dire. tout ce qui te transporte, c'est-à-dire le sens. Oui. Et c'est pour ça que toute la gauchiasse, elle est profondément cocue et rageuse, parce que elle sait que ça n'a aucun sens ce qu'elle raconte, mais qu'elle ne fait que répéter des choses Ouais. que ça fait des Est-ce années que qu'il pour toi répète. le gauchisme est la cause du mal? Non, oui. Ah, on attend qu'elle arrête. Non, mais c'est eux, là. Ouais. Parce qu'il y a des. Il y a des. Est-ce que le gauchisme est la religion de l'époque, à ton avis? Bah, en fait, il est clair que la vérole marxiste a atteint une fin. Ouais. C'est-à-dire que. Là, c'est la fin. Et en fait, ça a été toujours du décor. C'est comme Ikea, en fait. Ikea et le gauchisme, c'est pareil. On change de décor, la révolution est permanente, mais ça ne mène qu'à la frustration. Ouais. Et en fait, la grande majorité des gens sont maintenant, qui étaient naturellement à gauche, sont paralysés. Et commencent à se dire, oui, ben, peut-être qu'en fait, on va s'occuper de la maison France. Hein, ça serait peut-être une bonne idée, ça. Hein, parce que le cadre, en fait, c'est la nation. Et là, la question, d'ailleurs, comme le dit Ma Reine, elle dit, la nation est une idée tout à fait moderne. C'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, on vit encore dans les séances révolutionnaires. Là, c'est la branlette totale. D'ailleurs, je suis allé l'autre fois, il y a un mec là qui a fait un film sur la révolte cachée, c'est-à-dire la Vendée. Oui. Ah ouais, je Et savais pas. j'ai une amie qui habite en Vendée. Et je connais maintenant la Vendée. Et je vois des choses. Mais tu vas à Cholet, je voulais acheter un mouchoir rouge, là, comme il est, parce que c'est le sang, tu vois. Et tu vois encore les traces de ce qui s'est passé là-bas. Et tu vois qu'il y a, en fait, des racines sont encore là. Parce qu'il n'y a rien d'oublié, hein. Est-ce que raison et religion s'opposent pour toi? Raison et religion. Oui. Ben, en fait, c'est la définition même de. Enfin, la religion, la prétention, l'ignoble, enfin, la prétention tout court des religions, c'est de donner une explication à notre nature. Et elle la donne presque en la trafiquant. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle a appelé Dieu, c'est l'esprit. Et l'esprit n'a pas de limite tant qu'il est pratique. C'est-à-dire que le carcan d'avoir nommé Dieu, c'est de nommer une limite à l'esprit. Et c'est une interprétation de l'esprit. Et tu penses que finalement, ça,
Ça Et qui plaît, empêche. hein, qui plaît, hein. Oui. Il y a du spectateur, hein. Cette définition de la nature de l'homme conditionne les hommes à être tels que la religion le souhaite et les empêche éventuellement de se réaliser. Tu... Ben, en fait, Ah, sois clair, est-ce que tu es ils vivent anti-religieux? avec Est-ce des que... limites, ça pose des limites. Ouais. Et toi, tu es athée, anti-religieux? Comment tu te... C'est pas une... Tu as le droit d'être Non, moi athée, je hein. suis profondément religieux dans le sens. En fait, quand tu poses la question très simple, terre à terre, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Eh ben, c'est très simple. Tu peux Attention. répondre, tu dis le bien c'est ce qui relie et le mal c'est ce qui délie. D'accord, mais donc à ce Point. moment-là, tu peux dire que tu es moral. Ça fait pas de toi quelqu'un de religieux. Tu peux être athée, Non, mais être quelqu'un de moral. mais moi parce que je relis tous les jours. Je relis tous les jours. Non, mais tu t'enfuis face à ma question. Mais Je te demande, quelle est ma la. question est la suivante. Genre, il y a être religieux, c'est-à-dire lire un livre religieux, suivre ses dogmes, prier, etc. Et Oui. il y a être moral, c'est-à-dire savoir que le bien existe et œuvrer pour le bien, sans pour autant croire en Dieu. On peut être clair sur le fait que tu ne crois pas en Dieu. C'est une réalité. Non, mais je sens l'esprit, par contre. Je sens l'esprit qui est en moi. C'est-à-dire ce qu'ils appellent Dieu, eux. D'accord. Mais en L'esprit en fait. toi, c'est le côté un peu Mais hindou, en etc. fait. Hein? Non, mais je veux dire, il y Mais en a. fait, non, c'est tout simple. C'est que quand tu sens ce qui te relie ou ce qui te délie, exactement comme Alice, qui sent qu'il a rapetissé, qu'il a grandi. Ouais. C'est-à-dire ce qui fait ding en toi ou ce qui fait bang. Oui. Voilà, ça s'arrête là. Et tous les jours, tu cultives ça. C'est ce qu'on appelle la chance. Oh, il a de la chance. Oh, il te reprocherait presque d'avoir de la chance. Et puis en France, on parle de. Tu profites. Autant profite. Faut en profiter. Faut profiter de quoi? Parce qu'en fait, le reste du temps, t'es mortifié? Oui, en fait, c'est ce qui se passe. Les gens sont mortifiés, et puis tout à coup, on va en profiter, on va s'éclater. Non. Non, non, ça marche pas comme ça. En fait, C'est la vie moderne en tous les fait. jours que Dieu fait, pour parler comme eux, eh ben, tu cultives. Et le fait que tu vois, nous sommes en ce moment en train de pouvoir converser, conversano, eh ben, c'est pas un miracle, mais ça doit arriver. Ça Ouais. devait arriver. Parce que le verbe, il faut qu'il s'exprime. Sinon, c'est la Oui, bon, pauvreté, c'est la misère. là tu tricotes quand même, hein, un Ouais, je petit peu. tricote, Oui, tu ouais. tricotes. Je tisse, ouais, je Ouais. tisse tous les jours, je Non, tisse. mais tu veux dire qu'en gros, là. Je ne comprends pas en fait ce que tu veux dire sur la religion. Pour moi, Alors, c'est simple. Pour moi, c'est simple. C'est soit on croit en Dieu, soit on ne croit pas en Dieu. Il n'y a pas de je crois à peu près. non, ça sert à rien de croire. Ouais. C'est clair. Oui. Enfin, si, ça sert à. En fait, ça sert à te taire. Oui. Non, C'est-à-dire, mais en fait, vas-tu à. répondre à la question simplement? Est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu qui intervient sur les choses du monde, oui ou non? Il y a un phénomène. Comme a D'accord. dit Hegel, c'est la phénoménologie de On va l'esprit. pas y arriver. Si, on y Alors, je change arrive. de question. Est-ce que la spiritualité, la religion d'un peuple a un rapport pour toi avec sa nature ethnique? Je te demande parce que tu as beaucoup voyagé. Autrement dit, est-ce que les religions ne sont pas l'alibi que se donnent les comportements raciaux pour s'exprimer dans le cadre d'une norme acceptée par la société? Oh la vache. Enfin, ça paraît très compliqué, Tu vas mais me faire bosser là. ma question est peut-être trop complexe dans sa formulation. Autrement dit, est-ce que par exemple les Japonais sont shintoïstes parce que ça correspond à leur nature ethnique? Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas répondre à ça. Parce que d'abord, en fait, je connais qu'une Japonaise qui est très contente d'avoir quitté son pays. Non mais à n'importe quel exemple alors à ce moment-là le est-ce que les Européens étaient destinés à épouser le catholicisme par exemple par rapport à leur nature? C'est des gens moraux Mais en fait, en gros, les Européens, c'est le siège du savoir voulant savoir. C'est-à-dire, en fait, alors Delavier dit, oui, bah, c'est la nécessité, parce que ici il fait froid, nanana, plus on va, il faut se protéger, donc il faut être inventif. Nécessité fait loi, comme on dit. Et là-bas, tout tombe du ciel, donc, oui, on peut se marrer de tout, on n'a rien à foutre. Et puis entre les deux, le siège des religions, là où ils sont nés, c'est effectivement le désert. Et là, on ne peut pas savoir. En fait, c'est un savoir délirer. Et le délire a quelque chose de fascinant, parce que c'est absurde. Donc, ça a quelque chose d'admirable, l'absurdité, de fascinant.
Et l'Europe, en fait, est le siège de tous les savoirs et de tous les transports, parce que, en fait, le transport, c'est ce qui permet justement la colonisation et le développement des savoirs et l'imposition de savoir. Parce que tous ces connards, ils ne parlent jamais de savoir. On parle jamais de savoir. Savoir pourquoi la colonisation est possible. Et quand je te disais hier que j'avais un ami noir qui me disait que qu'à l'âge de 7 ans, quand il a vu un jumbo jet atterrir à Bangui, il a dit, bah oui, bah c'est Dieu. Voilà, tout simplement. Oui, donc il avait jamais vu d'avion de Bah sa vie. non. Quand il a vu un avion décoller, il a dit, ah d'accord, c'est Dieu, c'est Bon, ça. c'est ça. C'est forcément ça. On ne sait pas ce que c'est. Donc on l'appelle Dieu. Nom de, d'ailleurs, nom de Dieu. Donc en fait, la connaissance, en fait, en gros, ce que je crois comprendre, c'est que la religion, Ne me touche pas oui, en parce tant que tel. qu'elle s'infiltre dans les domaines où il n'y a pas encore de connaissance. C'est-à-dire, là où il n'y a pas de connaissance, on va mettre de la superstition. Bah, c'est l'ignorance en fait. Ouais. C'est de l'ignorance cultivée. Hein. Ouais. C'est du délire. C'est-à-dire en fait c'est fort. C'est très fort. En fait, on va te dire ouais l'origine du monde, ouais ça va très loin. Mais en fait rien. Parce que là t'es impressionné parce que ça remplit du vide. C'est un domaine que Mais tu ne connais à un pas. moment, tu n'es plus impressionné. En fait, c'est ça la solution, c'est de ne plus être impressionné. Oui. C'est-à-dire que en fait, la génération qui monte est en train d'être sacrée, elle est sacrifiée. En fait, c'est la génération qui aboutit à Macron. Parce que en fait, c'est une génération de Boy Scouts et de caramel mou. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ce que je peux dire, c'est que moi j'ai toujours eu l'intuition de l'existence de Dieu, mais en ce moment je me pose des questions sur le fait que, par exemple, il y a toute une génération de jeunes blancs qui reviennent au catholicisme, mais pas pour les bonnes raisons. J'en ai rencontré un pas plus tard qu'il y a 2 jours en Allemagne, et en fait, Je vois ce que il tu veux est dire. tellement malheureux en France Voilà. qu'il se dit, ah, ça doit être le châtiment de quelque chose. Et Ah, plutôt, toujours le châtiment. voilà, plutôt que de se dire, bah, il y a des données objectives, les gauchistes dominent la France, ils veulent continuer l'immigration, la cause des médias, la politique, on arrête ça. Ben, lui, il va chercher une cause autre. Il retourne à une base. Ouais. Il veut retourner, ou il essaie de retourner à une Donc c'est une base. bouée de sauvetage en l'occurrence, c'est Bah, pas c'est une tout. La spiritualité. religion, en fait, c'est l'assurance tout risque. Hein. Tu te poses plus. Les questions étaient résolues. Et puis après, il y a tous les schismes. Enfin là, t'en finis plus. Mais en gros, on va essayer de retourner à la base. Mais non, mais je veux dire, c'est une capote. Ça ne tient pas debout. J'ai 2 questions pour terminer. Est-ce que tu, malgré tout ce qu'on vient de dire, moi je pense que le peuple a toujours besoin d'une ligne directive. Tu vois, il ne se la donne pas lui-même, il a besoin qu'on la lui impose. On a besoin de rationalité, ouais. Oui, mais est-ce que le peuple pourra s'extraire des idéologies politiques ou des religions et penser par Bien sûr, lui-même? parce que, en fait, on arrive au bout d'un cycle. Ouais. Le cycle est épuisé. Et en fait, ce qui se passe à l'Est, justement, venons-en là, c'est qu'il y a un retour du rationnel. Et on le voit avec cette figure de Poutine qui s'est débarrassé de la vérole marxiste de 100 ans, qui a créé des tas de cadavres sur le chemin. Et pas des cadavres seulement matériels, mais des cadavres psychologiques, c'est-à-dire des paralysies. Et on va, comme il vient de le dire d'ailleurs, il dit, ah oh, bah tant mieux les sanctions, comme ça va nous obliger à réfléchir à des choses plus concrètes. Oui, C'est-à-dire mais on va se mettre à faire de l'agriculture, puis ils ont du terrain là-bas. en rapport avec ma question, Hein. Oui. Poutine, par exemple, moi j'imagine très bien Poutine être un athée rationnel, pragmatique, mais il va toujours mettre en avant, par exemple, la culture orthodoxe du pays. Tu vois, il va Ah jamais se séparer de mais ça. il va construire une mosquée à Moscou Aussi, parce et leur que. dire c'est là mais pas hein, si vous déviez c'est dans les chiottes. Alors, votre place c'est là. Donc OK. Poutine fait de la réelle politique en fait Ah là-dessus. mais il est absolument réaliste. C'est-à-dire qu'en fait il prend les problèmes en face. Et il n'y a pas de fioriture. Alors d'ailleurs il y a une très belle chanson des Brigandes Laissez vivre la Russie qui dit que ça. Dit, elle va refleurir parce qu'elle a subi vraiment des gros dommages. Et là,
En fait, ils sont en train de renaître et ils ont un territoire alors, très intéressant parce que ça, Gigantesque. gigantesque et où tout le monde s'abîme. Eux-mêmes, d'ailleurs, s'y abîment. Parce qu'en fait, quand tu vois des vidéos sur la Russie, tu vois une culture d'ours. Ils sont assez sauvages. Oui, c'est vrai. Sauvages et droit au but. Et en fait, ils ont un pragmatisme qui leur permet justement d'échapper à notre vérole qui est la fantaisie. Parce que là, nous en sommes perclus et là, C'est le peuple définitivement qui te plombés. semble être le plus prometteur et pragmatique dans ce Ben, 21e siècle qui ils ont commence. subi un choc et ils se remettent et en fait, ils défendent tout simplement leurs frontières. Et défendent, en fait, ils défendent l'intégrité. C'est les sols. Voilà. Et puis en fait, on voit la ligne de fracture, tu vois, parce que l'Iran n'est pas, ce ne sont pas des Arabes. Il est vrai que oui, mais quel rapport avec Ah ben parce que en fait, avec les musulmans, c'est que en fait, ce sont des, ce sont, Ah, tu veux dire qu'il est possible là non, aux en fait, Russies imaginer un partenariat? ce sont des souverains. Parce que tout le problème des Arabes, c'est qu'ils ont toujours été sous tutelle, ils sont toujours à peur, même les Saoudiens. Chez les Perses, il n'y a pas le nomadisme qu'il y a chez les Maghrébins, les Arabes. Absolument pas. Mais c'est une vraie civilisation qui a une base. C'est pas du n'importe quoi. Hein. Dès que tout le reste, toute l'Afrique, là, c'est n'importe quoi. Hein. Ils ont été sous des tas de trucs et ils peuvent rager toute leur vie avec ça. Ce qui est sûr, c'est que pour te donner raison, à chaque fois que j'ai dialogué avec des Russes, et notamment des femmes qui sont d'ordinaire, la rationalité, c'est plutôt quelque chose du domaine masculin, et ben les femmes russes sont très très masculines et très pragmatiques et très très rationnelles. C'est-à-dire, quand quelque chose ne fonctionne pas, elles vont pas être dans la sinuosité, elles vont dire ça ne marche pas. Faisons Voilà, ça va marcher. c'est ça. Et bon, déjà, ça correspond à leur nature peut-être raciale, mais on le voit en tout cas qu'il y Non, a une en fait, efficacité. elles peuvent réagir. Oui, Elles c'est sont ça. pas tétanisées par le problème. Exactement, il n'y a pas ce. Non, elles se laissent pas abattre facilement. Et oui, parce qu'en fait, c'est la cap. Moi, c'est pareil. En fait, je me laisse pas abattre parce que C'est-à-dire, je peux pour réagir. expliquer aux gens, je vais donner un exemple concret. Souvent, les Russes, les Asiatiques aussi, mais les Russes, en venant en France, ils me demandent, enfin ceux que je rencontre, ils me demandent, mais comment ça se fait qu'il y a autant d'immigrés? Alors, j'arrive même pas à leur expliquer. Je leur dis, Non. on n'a pas voté pour les bons, alors progressivement, il y en a eu de plus en plus. Et à chaque fois, mais c'était trois personnes différentes, d'âges différents, de sexes différents, mais russes à chaque fois. Elle m'a dit, ils me disent, mais je comprends pas. Quand il y en a trop, il fallait arrêter. Pourquoi vous n'avez pas arrêté? Par exemple, aux élections, pourquoi vous n'avez pas voté sur celui qui arrête? Et je suis incapable de leur répondre. Parce que eux ont cette capacité de survie. Ou notamment une femme l'année dernière, là, elle me disait, mais si nous on commence à voir qu'il y en a trop, mais on vote pas Poutine, on vote un mec encore plus extrême que Poutine pour arrêter, tu vois. Oui, parce que en fait, moi, j'ai visité l'Algérie une fois et je m'étais cru en France. C'est-à-dire les infrastructures, tu dis, mais dis donc, on n'est pas, on est chez nous ici. Et en fait, j'ai lu le fameux Aldostérone qui parle des années 90 où il parle en fait de nous. J'ai dit, mais non, il parle pas de chez lui en Algérie, il parle des banlieues, il casse tout. Ben oui, Ils ont pareil. fait la même chose là-bas. Ouais. Et t'arrives pas à le croire. Et lui, il en parle. Donc toi, t'es allé en Algérie à une période où il y avait des infrastructures encore françaises. Ben, c'était Enfin. en 76, on est allé à cause, ça c'était par rapport à l'université, il y avait on est allé au Mzab. Alors le Mzab, c'est les Mozabites, c'est plein sud, à la limite du désert, et c'est les Juifs algériens, et ils ont un truc sur les dates. Mais en fait, alors on est arrivé en plein Ramadan, on s'est fait jeter, on était en short, moi tout ça me dépassait complètement. Et puis on voit les trucs, c'était dégueulasse, en plus c'était plein d'ordures. Mais enfin bref, on s'est fait jeter. Puis j'ai découvert, en fait, après on est remonté, on s'est fait braquer à Alger la bagnole, c'était une Diane. Ils nous ont piqué nos trucs, j'ai eu la barre parce que j'ai plus de rasoir, enfin des trucs comme ça. Puis on est resté en Kabylie chez des coopérants. Et ça, bah, c'était mon premier contact avec l'Algérie. J'avais aucun préjugé. Bon, j'avais Particulier. toujours la chiasse au Maroc parce qu'il y a quelque chose dans l'eau là-haut. Mais en Algérie, en fait, bon, on s'est fait braquer gentiment. Et puis après, bah, en fait, j'ai découvert l'histoire de la colonisation avec Olyndre et puis justement Le Pen, les gens qui étaient là-bas. Et en fait,
J'ai eu d'autres sons de cloche, en fait, des gens qui étaient en Algérie pour la guerre sans nom, en fait, qui ont été à la conscription, et ils voyaient qu'il y avait en fait, des salopards qui ont bien exploité les Algériens, mais il y avait le cadre qui tenait le tout, l'Algérie, c'est-à-dire qui était la France, qu'est-ce qu'elle a institué. Et là, les gens étaient enthousiastes pour la France. Mais il y avait une autre partie, en fait, où il y a des gens qui ont vraiment fait chier le Oui, bah, Suel-Burnous. où veux-tu en venir? C'est d'ailleurs qu'il y a une dichotomie entre dans les Algériens eux-mêmes Ouais. par rapport à la colonisation. Ouais. C'est-à-dire, d'un côté, il y a en gros 30% de la population qui sont prêtes à applaudir Ce qui se la passe. descente des tours et tout le bordel. Ce qui s'est passé d'ailleurs dans mon village. J'avais pas compris pourquoi cette Marocaine, son mari lui cassait, qui était anarchiste. Alors celle-là, je veux la placer parce qu'elle est tellement belle. Elle est trop belle, celle-là. Un mari anarchiste, no border, qui casse la gueule à sa femme. Bon, il était pas no border à cette époque-là, mais il était déjà anarchiste parce que sa femme, en 2001, elle se met à lui, ouais, notre équipe a gagné, on a descendu les tours En à New fait, il York. parle d'un type qui était blanc et qui était avec une Là, femme. il est toujours blanc, hein. Oui, il n'a pas bougé, il est toujours blanc, on ne Non. change pas de Et race. toujours con. Et en fait, il était avec une Marocaine qui s'est réjouie des attentats du 11 septembre. Et ça l'a énervé. Et Un il l'a peu, frappé. un peu. Alors, dit, ouais, mais il était bourré. Je dis, ouais, non, mais c'était pas Ouais. la vraie raison. La vraie raison, c'était ça, elle Ça l'a l'a vraiment jamais dit. révolté, Et quoi. depuis, ça fait 15 ans qu'elle est en dépression. Bah, dis donc. Vous vous rendez compte, le vivre ensemble, ça marche même pas dans le cadre d'un couple, alors, à la Et Champs-Élysées. ils ont deux enfants qui ont des prénoms arabes et ils ont la rage, ces deux-là. Ils Contre sont qui? Contre la France? contre tout. Ouais. Contre tout. Et la France en particulier. Alors, pour terminer, Georges, comment vois-tu l'avenir de la France? Question à 2 millions de Mais balles. en fait, non, mais là, en ce moment, on est en train de. La France est globalisée, on est complètement attaché au monde anglo-saxon. Et en fait, je suis 100% d'accord avec la conclusion de Domergue, c'est que la folie ordinaire va se développer et que les gens vont s'entretuer. Alors, c'est un peu un mélange de guérilla et D'accord. de. Mais en fait, l'avenir est très sombre, oui, pour les villes. Oui, ça, c'est sûr. Pour toi, c'est même pas une guerre civile, finalement, c'est une guerre totale, quoi. Tous contre Bah, en tous. fait, c'est un effondrement. Ouais. Les gens deviennent cinglés. Moi, je le ressens vraiment. Ouais, de toute façon, l'autre soir, j'étais à la station-service, là, il y avait deux bonnes femmes qui s'engueulaient, Ouais. parce que l'une avait essayé d'aider l'autre qui prétendait qu'elle avait oublié son portefeuille à la maison. Elle avait l'air d'une hippie gauchiste Ouais. complètement tarée avec un drapeau américain, elle était complètement barrée. Et Ouais. l'autre, elle dit, j'en ai marre, j'aiderai plus les gens. Parce Ouais. qu'en fait, c'est que des embrouilles. Non, puis même, moi, là où je me rends compte que les gens deviennent fous, c'est à travers le complotisme. C'est-à-dire que il y a interrogé l'histoire et ce qui se passe, et il y a versé dans le complotisme. Et dans la certitude de choses qui ne sont pas prouvées. Par exemple, je suis étonné de voir, parce que moi, c'est ce que je vis en ce moment, le Oui. nombre de gens qui, rien qu'en écoutant Soral, vont être persuadés sans aucune preuve que je bosse pour le Mossad, par exemple, quoi. C'est-à-dire que moi, Oui, j'en mais ai ri ça, pendant plusieurs mois, oui. et tout à coup, ça devient réalité, et je me rends compte que c'est parce que, entre autres choses, les Français sont à bout de nerfs, Ah, ça, ils sont à bout de et nerfs. ils ne savent plus À quoi quel penser sens de quoi, en fait. se C'est vouer? dément, en fait. La réalité se dérobe à leurs yeux. C'est comme s'ils étaient sous drogue, du Bah, matin en au fait, soir. ils sont dans le cinéma permanent, hein. Ouais. En fait, c'est pas un hasard que Hanouna, elle sera président de France Télévisions. C'est évident. En fait, c'est le roi. Ouais. Parce que quand tu vois les fêtes et tout ça, ça dégénère dans le même. C'est le même truc. Hein. Ma sœur, là, pas plus tard que ce matin, c'est ce qu'elle me dit. Elle dit, les voisins, ils ont fait une fête. Et C'est d'ailleurs, la déglingue complète. si tu veux, pour boucler la boucle, puisqu'on a parlé de cinéma et de religion, finalement, et du lien parce que c'est du simulacre, pour Ah toi, dans l'oreille de bah, Karl, c'est ce que disait Baudrillard, moi, simulacre. j'ai réalisé ça une fois où j'étais au cinéma, et je regarde, dans un quartier très multiethnique, mais dans la salle, il y avait que des blancs. Et je me suis dit, bah, les Occidentaux ont fait le choix du simulacre. C'est-à-dire, ils ne veulent pas vivre la vie au présent, ils veulent rêver à d'autres Se mondes. réfugie. Voilà. Il se réfugie dans le cinéma. C'est ça, comme autrefois, certains se réfugiaient dans le fanatisme religieux ou autre, Ouais, et ça a pris ouais. le relais, en Ah fait. oui, non, mais de toute façon, là, c'est. En fait, moi, dans mon livre, je vais développer ce qu'en fait le Messie est bien de retour. Oui. Mais c'est le Messie, c'est-à-dire MIS, plus loin, si. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus, les gens sont torturés par Jésus. Tout simplement, Comment ce ça? sont Ça des veut dire. petits Jésus. Oui, qu'est-ce que ça veut dire Et torturé par Jésus? il vient, parce qu'en fait,
on est dans l'atomisation complète, les gens se torturent. Et en fait, c'est happy hours, tout, ils se déglinguent en fait. La seule solution, c'est la déglingue. Hein. Oui, c'est alors soit l'échapper dans d'autres mondes via la Ici, drogue. là, Ouais. il y a 6 000 personnes tous les ans qui viennent courir pour 65 euros. Ça t'a choqué, ça. Il y a une Non, course à pas. Montreuil-sur-Mer, Mais frappe à dingue. Montreuil-sur-Mer, où Mais les frappe à gens dingue. payent Mais pas pour. seulement à Montreuil, ça marche partout en France. C'est américain. Ils se défoulent. Ouais, ils utilisent plein de moyens pour C'est leurs sortir de Jeux leur Olympiques réalité, à quoi. eux. Puis là, on va voir les Jeux Olympiques à Paris, là, ça sent la catastrophe, tout ça. Tout ce qui est concentré, tout ça, là, ça pue. En fait, il y a une énergie, c'est hyper positive, mais en même temps, c'est la déglingue. En fait, c'est la bicyclette de Jarry, hein, elle court toute seule. Allez-y. Et puis, j'aurai un moment, surtout, comme disait le PD Warhol, 5 minutes de Ouais, notoriété. je crois que c'est 15, mais 5 Ouais. minutes, c'est déjà pas mal. Oh, là, c'est négociable. Oui, non, mais en fait, ils se photographient eux-mêmes. Là, c'est l'homme se concentre sur son image et il en est prisonnier. Et il n'y a plus que ça. Il peut plus être reconnu que par ça. Parce que son travail, c'est de la merde. Ah, c'est du En virtuel, somme, quoi. en France comme en Angleterre, t'as senti que les gens étaient s'enfermer dans la fiction pour Ah, échapper au mais monde réel. complètement, hein. Mais ils deviennent fiction eux-mêmes. Ils deviennent fictifs. Parce qu'en fait, ils prétendent. En fait, la mythomanie est rife, c'est-à-dire elle galope partout. Tu sais, moi, ce qui me fait croire en ça, c'est que. T'as pas besoin d'y croire, tu le vois. Ouais, c'est pas le mot juste, mais. Ce qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est le Bataclan. Où en fait, j'ai réalisé que. Aïe. Parce qu'on se demande, nous, en tant que patriotes, on se demande comment ça se fait que les gens ne sont pas plus révoltés que ça. Et moi, je crois avoir compris, c'est que pour les gens, d'une certaine manière, c'est pas réel. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une scène de film, qu'ils ont vu de l'extérieur, et les personnages qui Ils sont étaient morts. dedans. Ben, c'est des acteurs. Bon, bah, ok, ils sont morts, mais on va pas pleurer plus qu'on pleure devant un film où il y a des morts. C'est-à-dire, les gens n'ont pas réalisé que des gens sont morts sous le feu ennemi. Ils ont pas réalisé, en fait, que c'est dans le vrai monde, que c'est maintenant, c'est vraiment passé. Enfin, c'est En vraiment comme ça fait, que je le ressens, quoi. ils se flinguent eux-mêmes. Hein. En fait, c'est comme disait, c'était Hermann Hesse, je verrai vos cadavres passer devant moi. Parce qu'ils sont déjà morts. Mais en fait, ce qui les soutient, c'est la fiction. C'est pour ça qu'Hanouna est vraiment vrai. C'est Pour eux, il est. complètement faux, mais il est plus fou que vrai. Il est plus vrai que faux. C'est le faux vrai. En fait, c'est ce dont parlait Debord dans la société du spectacle. Mais en fait, là, le jugement dernier est en train de se faire. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de sauveur et que les gens sont en train de se détruire. Les cinémas sont devenus les lieux de culte actuels où les gens gobent Mais cette en fait, réalité. ils l'ont dans la main, le cinéma. Ah oui, en plus maintenant c'est partout. Il est là d'abord. Hein. En fait, ils sont portables. C'est comme j'écris, en fait, la richesse, c'est le réseau, les pauvres n'ont qu'un portable. Ils n'ont que ça pour se faire reconnaître. Et ils n'arrêtent pas, en fait, c'est SOS tous les jours. Hein. En fait, ils envoient ça s'appelle SMS, mais en fait, c'est SOS. J'existe, j'ai des amis. Non, non, en fait, rien. Avant d'avoir ce portable, j'en avais un autre qui était de marque chinoise. Et quand tu l'ouvrais, il y avait marqué Share your identity. Partage ton Partagez votre identité. idée. Alors qu'en fait, tout le monde a la même identité aujourd'hui. Enfin, tout le monde a les mêmes conneries. Tout le monde utilise les mêmes choses. Tout le monde pense la même chose. Bah oui, identitaire identique. Mais en fait, il n'y a pas de substance. C'est-à-dire, ils ne se sentent pas vivre, hein, mais ils font vivre des images. Et là, ça galope, ça se propage. Là, c'est comme un virus. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans la jeunesse qui arrive, ce qu'ils commencent de faire devrait déjà être fini avant de commencer. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire, ils imaginent que de faire des choses, mais en fait, entre leur cerveau et leurs mains, ça ne marche pas. Il y a une cassure, ils font rien. Et finalement, pour se reconnecter au réel, toi, tu conseillerais aux gens de sortir des villes plutôt de vivre. Ah bah, de toute façon, c'est comme tu dis, c'est comme tu le sens. Soit tu le sens, soit que tu le sens pas. Tant que t'encaisses, c'est bon, hein. Jusqu'à temps que tu chutes, et puis après tu te C'est barres. sûr que Ou alors maintenant. tu te barres pas, puis tu meurs là-bas. Et en fait, c'est l'objet du livre Guérilla d'Oberton. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont niqués.
Ils sniquent tous entre eux, parce qu'en fait, le poids de l'anonymat de l'irréel fait que tout ça, ça se pète entre eux. Ouais. Et ça ne tient pas debout. Donc il y a une rage, il y Ça a une, il y pareil a un peu une. dans toutes les grandes villes, mais Paris est un exemple remarquable. Ah, Je vous assure que si vous vivez depuis plus de 3-4 ans à Paris, faites une expérience pendant 3-4 mois, essayez d'aller vivre ailleurs, chez des amis, ou louer une maison, je sais pas, au Portugal, n'importe où. Vous allez voir Ah bah que vous êtes en enfer, tu en fait. décompresses, ouais. Ouais. Moi, ça m'a fait peur, pareil, à un moment, quand je rentrais dans Paris, je voyais tout cet amas de béton et en fait d'anonymité, où en fait tu peux vraiment crever dans la rue tranquille, personne te fera On en chier. est à ce point-là, Oui, hein. parce qu'en fait, il faut surtout pas y toucher. Faut pas avoir de contact, hein. On pourrait avoir des ennuis, Ouais. même, de se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Alors Non, avant, c'est horrible. oui. Mais écoute, Georges, avant que tu nous présentes ton livre dans quelques mois, quand il sera écrit, on va remontrer le livre dont tu t'es beaucoup inspiré dans tes réflexions. Une enquête sur la nature et les causes de la misère des gens. T'as un petit conseil cinéma aussi, c'est Ah, bienvenue Monsieur Chance, c'est ça? being there en anglais, c'est Ouais. dire être là ou être pas là. Ouais. C'est très ambigu de there. C'est quelque part. En français, c'est bienvenue Mr. Chance, il me semble. Bienvenue, Mr. Chance. Ouais, c'est Ouais. formidable. C'est un film formidable sur, en fait, l'anonymat serein. C'est-à-dire que le mec, il est jardinier d'abord. Alors, raconte pas l'histoire, Et hein, il perd son emploi et il se jette dans le monde. Et le monde ne l'impressionne pas du tout parce qu'il l'a déjà vu à la télévision. Et ce qu'il voit à l'extérieur, c'est identique à la télévision. Pour lui, ça ne veut rien dire. Ouais. Mais il garde. L'exemple moderne serait un peu Truman Show, mais avant, il y a eu un film qui s'appelle Bienvenue, Mr. Chance, Il que garde en Georges vous fait conseille. le cycle des saisons et dit ça c'est la seule chaussure. Il dit tant que les racines sont là, c'est bon. Ouais. Le reste, c'est le décor. Ouais. Et après ça part dans le décor. Oui. Très bien, Georges. Bah, écoute, je te remercie. Ben, je te remercie à Merci de ta toi. sympathie, merci de ton accueil. Oh bah ben, oui, en fait entre gens qui s'entendent, il n'y a aucun problème. Et Georges a un compte YouTube, donc si vous souhaitez lui poser des questions, eh bien il y répondra, je pense, ou pas, s'il n'a pas envie de vous répondre. Mais en tout cas, il peut vous répondre, donc mettez vos commentaires sous la vidéo et voilà. Et s'il y a des gens qui ont quelque chose à dire, qui viennent me le dire ici. Oui, parce que là, c'est pas dur à trouver dans Montreuil-sur-Mer, sa maison, On on a n'a pas du trouvé très qu'elle bon est. vin, je fais de la très bonne cuisine. Ah, je confirme, j'ai très bien J'ai mangé hier. fait une tarte aux abricots ici avec Ah, bah des voilà. amaretti et Exactement. une très bonne pâte C'est feuilletée ce qu'on va faite manger maison. suite à Et l'émission. ouais, on va l'achever. On va la finir. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde et vive l'Europe. Salut!